Erreur, Arline. Salut Grifforzer, salut 327. Ouais, je me suis garé au parking Victor Hugo, Arline. J'ai galéré à trouver une place et du coup j'ai préféré partir sur le parking Victor Hugo, même si ça va me coûter peut-être 5 balles, bon. Mais ça va très bien 327, et toi comment vas-tu? Tu vas pouvoir prendre 5 et... Bah ouais, c'est pas loin. Mais tu vois, je me demande si je vais pas commencer par les quais là. Après il y a juste là, à droite, il y a une très jolie porte. C'est quoi, c'est pas rue Saint-James ou un truc comme ça? Mais salut Dangster, comment qu'il va? La grosse cloche, bah ouais, juste à droite là, il y a une grosse porte avec une grosse cloche. Ouais. Ça marche, 327, merci pour ton lurk, c'est adorable. Mais ça va super, Dangster. Un peu la tête dans le cul, je pense qu'on aurait bien dormi plus. Surtout que moi j'ai passé la nuit à faire des choses au crocodile, alors... j'ai montré que certaines photos à Arline Patou. Un peu FK à la perso. Putain, mais je suis trop deg pour le tableau, quoi. Guapo a l'air si heureux maintenant. J'ai dit à Arline en partant, il regarde, il a un air de... Comment... il a l'air hébété, complètement en mode... Que s'est-il passé? J'avais jamais été touché par un marin. Oui, j'ai aperçu ça, j'ai pas eu le temps de lire 327, mais oui, j'ai vu passer un petit peu, ouais. Tout à fait. Voilà, dans quelques secondes, on démarre. Je me pose juste un instant, je bois un petit peu. Le surnom de Arline, le crocodile. Oula, non. T'inquiète, j'ai pensé à Koun en lui faisant des choses. Ça sera répété, amplifié, déformé. Très bien. Oh là, il y a un pigeon en train de rendre l'âme à côté de moi. Ah bah il est là, Koun, ah merde. Ah merde. Koun, j'ai fait des choses au crocodile. J'ai des photos compromettantes. Où il a sa main sur mon torse, dans le canapé. Oh putain, ce combo de kappa. Comment tu vas, Koun? Mais tu sais ce qu'on a oublié? Je sais pas s'il est encore là, Dangster, mais... sache que moi aussi, je me suis enfilé le Scooby. Oui, je sais. On a donc été dans la peau du même chien. Oh putain, cette phrase... Ouais, ça va super, merci. Oui, Dangster, putain, tu sais qu'on a réalisé avec Arline ce matin qu'on a oublié aussi de remplir les cartes. Dégoûté, quoi. Attendez, je mets mon sac à dos. Ah, les bretelles du sac. Bah oui. Putain, mais j'étais tête en l'air là, j'ai pensé à rien. C'est la faute du salidou, ça. Ah, attendez. Et bonjour. Alors, il fait pas le même temps qu'hier. Finalement c'est faux, je ne suis pas en Bretagne, comme on pouvait l'imaginer hier. Rue Saint-James.
Ah oui, le lambig. Incroyable. Ouais, le cadrage est un peu moldave. C'est les ennemis. Putain, j'aurais dû faire une publication programmée pour 15h sur Twitter. J'ai oublié. C'est très joli, hein. Le quartier là, très très joli. Mais oui, elle aurait pu en plus, bien sûr qu'elle aurait pu. C'est vrai que moi, comme un con, je t'ai même pas proposé, Arline. Allez, t'as plus qu'à me rejoindre en ville. T'as plus qu'à prendre le tram. Alors, je sais pas où je vais, hein. Je vais errer sans but. Bonjour. Bon, c'était pas forcément obligatoire, hein. Mais après, ouais, tu vois, là, c'est moi que, comme un con, je t'ai même pas proposé, quoi. J'avoue, j'avais un peu la tête dans le cul. Books and Coffee. Après, je risque de me perdre, c'est ça qui va être drôle. Ça va être marrant. En tout cas, les gens qui étaient là hier soir, j'espère que vous avez passé un bon moment, c'était super cool. Que ce soit Carotte, Dangster, Arline en vrai, ou les gens qui nous ont regardés, ouais, c'était très très cool. Mais aujourd'hui, ouais, il fait grave beau. Je me demande si je vais pas me diriger vers les quais là. Quais. Rue Bouquière. Où qu'on est là? Si tu vas sur la quoi? T'as des quais sur la gauche, rue Sainte-Catherine. Ah non, si tu vas sur la droite, t'as des quais, sur la gauche, t'as la rue Sainte-Catherine. Ah oui, la rue Sainte-Catherine est là. Là-bas, non? Je m'attendais à te voir en costume de Scooby-Doo aujourd'hui, choqué, déçu. Le problème, c'est qu'il aurait fallu que je retourne chez Arline pour lui ramener son costume de Scooby-Doo. Attends, on va peut-être aller faire la rue Sainte-Catherine maintenant. Mais ouais, galère de trouver une place de stationnement normale. Pareil, salut Maïk. Je pense que j'aurais crevé de chaud, ouais. Marrant la petite statue, là. Je pense que j'aurais transpiré comme un gros porc. Attends, mais c'est pas la rue Sainte-Catherine, juste là, parce qu'il y a une voiture qui vient de passer. C'est ça qui est bon. Non, mais je lui ai rendu un costume qui sentait la noisette. Avec le soleil, j'ai du mal à voir l'écran. Allez, retournons vers l'ombre. Cherchons la rue Sainte-Catherine. Ouais, c'était bonne.
Très joli, hein. Église Saint-Paul, très joli. Je peux pas rentrer parce que j'ai toujours peur que les églises ça capte pas à l'intérieur. Ah, rue Sainte-Catherine. Nickel. Salut Pepper, comment vas-tu? Alors, la rue Sainte-Catherine. Pardon. Ça va très bien, merci. Alors, par contre, où se trouve l'espèce de petit square avec la boutique Lego. Je me demande si c'est pas plus par là. Je pense, hein. Promenade, ouais. Salut Kiron. C'est à la promenade. Oui, mais c'est plutôt de ce côté-là, je pense, non? Après, de mémoire, c'est sur la droite. Nope, de l'autre côté. Ah, merde. Hop, ça va passer. Merde. Donc, du coup, c'est par là. Jusqu'à quelle heure c'est Carotte qui nous a ramené en voiture. Parce que je pense qu'il n'y avait plus de tram après 2h du matin. Je pense qu'on s'est couché vers 3-4 heures avec Arline. Là, il y a le grand, il y a la place du théâtre par là. Tu tournes dans Galerie Lafayette. Ah oui, mais vers la Fnac, non? C'est pas ça l'idée? J'ai mis des crampes aujourd'hui. Oui. Voilà, en face de la Fnac, ouais. Je me souviens maintenant. Salut Dieu. Ah bah là on a fait Berlin là, là-bas non, cathédrale. On l'a aperçu. On ira voir après. Oui c'est ça, c'est Berlin, ouais. Ça a l'air très joli aussi, Péverlan. Bon, de toute façon, aujourd'hui, le stream sera plus court qu'hier. Hein. Parce que bon, bah, j'ai quand même 2 heures de voiture pour rentrer. 2 bonnes heures. Hein. Le temps de quitter Bordeaux, je pense qu'on est sur 2h30. Salut, monsieur Souris. Un cri de cyclope au milieu de la rue? Non. Je vais être en grand angle. Yes. Ah. Ah putain, j'ai l'impression qu'en grand angle, la sensibilité, c'est là que ça déconne. Ah ouais. Bon, bah, pas de grand angle. Tu vas passer devant une toque privée. Ouais, mais je les prendrai à la fin, sinon je vais devoir me les trimballer. Super la musique. Ouais.
Oh non. Reste-t-il des cannelés? Bien sûr. Tout à fait, j'en ai mangé 3 pour les goûter. Ils sont très très bons, Arline, d'ailleurs. Je te le dis, ils sont délicieux. Ah, je vois la Fnac là-bas. T'as goûté des macarons à Bordeaux spécifiquement? Non. Donc quand je pense Bordeaux, je pense pas macarons, quoi. Et merci Ola, merci, bienvenue. Merci pour le follow. Alors rue Guiraud. C'est pas là. Ah, c'est là-bas. C'est là-bas. Il y a beaucoup de monde, hein. En même temps, on est à Bordeaux, hein. Bordeaux qui doit être la 5e plus grande ville de France. Je sais plus. Première Paris, deuxième Lyon, troisième ex-aequo Toulouse, Marseille. Bordeaux est là, mais où est Chanel? Alors attends, parce que moi la crainte que j'ai, c'est surtout, est-ce que ça va capter dans la boutique Lego, qui est censée être ouverte, qui de mémoire est là-haut. Oh là, il y a du vent, hein. Oui, il y a du vent. Attendez, je monte. Ouais, c'est à gauche derrière là, ouais, c'est pour ça que je vais monter sur l'esplanade. Oh là là, la boutique Lego. Alors attendez. Vous allez me dire, hein. N'hésitez pas à me dire dans le chat, hein. Ça lag, je sais pas quoi, comme ça je vérifie en direct. Ok, pour l'instant ça capte à fond. Ça a l'air de capter, hein. C'est Star Trek, ouais. Je vois si vous voyez, mais 44 173 000 pièces, 108 kilos. Salut Equipon. Et Ingvard, Furin, comment vas-tu? Oh là là. Faut pas lâcher les ennemis ici, hein. Oh putain, incroyable. Et ça capte, hein, c'est fou, ça capte. Regarde Zanmi. Voilà, incroyable. Oh, il a monté.
s'il y a un Death Star qui traîne, je l'achète. J'ai un doute. Hein. Il y a même Indiana Jones. Il y a Indiana Jones là. Attends, je m'enfonce un peu dans le magasin, mais. Pardon. J'ai pas l'impression qu'ils aient l'étoile de la mort. Hein. Ça va et toi, Yakipon? Bon, du Marvel. Ah, tu l'as monté le X-Wing, incroyable. Il est cool le Hulk géant là. Ouais, c'est très très cher. Ils sont Lego, c'est très cher. Mais c'est superbe. Ça, tu dois l'avoir quelque part. Hein. Bonjour. Excusez-moi, vous savez, ça capte à l'étage le réseau. Pas beaucoup, parce que là, ça capte pas mal à l'intérieur. Ouais. Au-dessus, c'est moins bien. Ah merde. Bon, je vais aller voir et puis je redescendrai en courant. Merci, c'est gentil. Bon, je vais à l'étage, hein, j'espère que ça capte. Dites-moi dans le chat hein, si ça lag ou quoi. Salut Courgette. Alors, suspense. Ah, ça capte, hein, ça capte, ça capte. Ça capte moins bien là. Comment ? C'est gentil, merci. Ça va, c'est fluide. Ah bah écoute, incroyable. Ah, il y a même du Hokusai, quoi. Salut Mambo. Comment vas-tu? Putain, trop bien, en vrai. Ouais. Mais ça va. Ouais, la vague est géniale. Hein. L'air du chemin de traverse de Harry Potter. Génial. Ouais, c'est le Lego Store de Bordeaux. Lego Store de Bordeaux, il est très très cool en vrai. Narnia, c'est vrai qu'il est con. Et après là, tu vois, je sais pas si vous voyez là. Là, vous pouvez choisir toutes les pièces que vous voulez en gros ici là. Des pièces au vrac, tu veux faire ton propre personnage. Salut Wolverine. Il y aurait moins de monde, j'essaierais de trouver un bonhomme là pour faire genre un Captain Haddock, mais putain. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, putain, on est dimanche et il y a du monde, hein. Oh là.
connais ? Ouais. On se connaît ? Oui. De Toulouse ? Oui. Ouais. On passe en convention ensemble. Oui, c'est ça. Tu reviens ? Ça va et toi ? Mais ça va super. Ouais. Je le connais ce mec. Ouais, moi aussi. Je l'ai bugué pour un instant. Pareil. Incroyable. Ça va ? Ouais, ça va super. Je savais pas que t'étais sur Bordeaux. Oui, je bosse ici. Ok. Et alors, c'est cool de bosser au Lego ? Oh, attention à t'écouter. Non. La boutique est jolie. Hein. Je suis très content, ça capte en plus à l'intérieur. Ouais, bah alors ça dépend des gens, il y a des gens qui captent. Non, moi je suis en 5G, en vrai là je capte à fond. Parfait. Ouais, nickel. Et du coup je suis en stream, je montre Bordeaux. Je montre Bordeaux. Voilà, sur Twitch. On a perdu, on a pas du petit sur nous, mais aujourd'hui. Ouais. Mais je pense qu'il est vite beaucoup de monde. Ouais. Ouais, c'est impressionnant, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde aujourd'hui. C'est léger, hier tu triples le monde. Ah ouais, j'ai commencé un blog hier mais on était plus en mode avec des potes dans des restos, dans des bars. Ah mais samedi hier c'était. Il y avait quand même du monde. Hein. Tu triples le monde. Ah ouais d'accord, ouais, j'aurais pas pu filmer, ça aurait été en cas. Ouais. Mais ouais, la boutique est impressionnante. Ça va, elle est pas mal. Après, c'est bon, j'ai pas le budget, mais. Ouais, bon, après. Ah, Lego, c'est. Là, les plus chers que tu vas avoir, c'est le Star Wars, c'est le AT-AT. Ouais, le gros modèle en vitrine là-bas, ouais. Pour Millennium, c'est pas en vitrine, c'est au même prix, donc c'est joué à 850€. Ouais, ouais. Plus cher. On m'a demandé dans le chat s'il y avait pas une étoile de la mort, mais j'en ai pas vu. Non, il y a pas de Death Star en ce moment. Ouais. La dernière sortie, c'est le X-Wing. Le X-Wing, ouais, il est super beau, le X-Wing. La dernière grosse sorture Star Wars, et sinon c'est une petite boîte du Mandalorian. Ouais. Ou les boîtes de série, l'araignée avec Bo-Katan de la dernière saison. Ouais. Ce genre de petit set. Et là, vu qu'on a eu un lancement sur la nouvelle gamme, sur le Dreams de là-haut, c'est sorti le 1er août. Il est surtout focus sur ça. Ok. Et après Star Wars, le 1er septembre, de la prélogie, qui a donné un républicaine avec du coup deux clones troopers, un Art Trooper et. Padmé et Palpatine, et vraiment le chancelier avec la robe rouge. Ouais. Incroyable. Et il y a mon modo dans le chat qui demande de te demander un accès VIP pour faire une figurine ad hoc. J'ai regardé, mais il y avait tellement de gosses, c'est à l'enfer. Là-haut, là, c'est compliqué. Ah ouais, clairement. Faut venir pour les figurines, ça va encore. Mais pour la zone de minifig. Là où t'assembles tes figurines toi-même. Ouais, faut venir le matin. Ouais. Tôt le matin, genre à 10h. Bon, ce matin, j'étais en train de décuver, c'est pas possible. Avec hier soir. Mais c'est vrai que là, en plus, c'est du monde. C'est un truc. Parce que soit tu les prends, les 3 sont à 6,99€. Tu veux pas en assembler une seule, c'est forcément ça ? Non, c'est 2,50€ l'unité. Ah, j'avais pas vu. C'est à 2,50€. Oh, je vais peut-être retourner voir quand même. Du coup, ça marche bien. Ça. Pour le faire offrir sur le chat ouais, ou quoi. Ouais, c'est ça. Ça, et les pots et le mur, c'est libre. On a de temps en temps, parce qu'on a trois contenances, les vêtements de Lego Master, ouais. Qui sont leur plein souvent ici, ou qui sont en train de briller. Ok. Alors tu sais, anecdote à la con, j'ai failli participer à Lego Master. J'ai un de mes potes, ancien colloque de l'école de cinéma, qui est le directeur de casting de Lego Master France. Et du coup il m'a dit ouais tu veux pas, alors que moi je ne fais pas de Lego plus que ça quoi, donc j'ai dit ouais alors, je veux bien mais c'est tendu, hein. Les mecs sont chauds hein, c'est genre. C'est des malades. Du coup on les a pas en rayon, mais on fait de la vente pour les moteurs. Ouais. Donc là c'est un peu des structures beaucoup vénères. Il y a mon modo qui dit attends j'ai bien entendu, ils ont un Millennium Falcon Ultimate Collector Edition. Ouais il nous reste un petit train là-haut en stock. Il est dans une boîte visible ou On a une boîte qu'il faut sortir parce que du coup elle est vide. Ouais. Mais après sinon en fait tout ce qui est très grande boîte comme ça, on les sort en fait, Ouais. Sinon on les sort du stock et sont encore dans leur cartons d'arrivage. Ça coûte cher j'imagine. Hein, celui-là il y a 850 pour une boîte qui peut avoir des peines après. Zenmi 850, ça t'intéresse? Parce que après on a tout ce qui se considère comme damage, donc si tu vas avoir des boîtes plus anciennes, ouais. C'est pas considéré comme damage. Du coup elles sont moins chères. Du coup, on en sort et elles sont plus que bien. Ouais. Déjà on est plus sûr. Vous les offrez à des créateurs de contenu peut-être ou... Non, eux ils reçoivent des boîtes plus chères. Ok, merde. Mais parce que aussi il y a des trucs qui sont plus vrais, il y a des trucs qui me rendent ouf là-haut. Ouais. Des trucs qui sont plus sérieux, parce qu'on a des anciens Stranger Things. Ah ouais, ok, ouais. Ouais. Mais tu dis que la boîte du
du comment du le Millennium Falcon, il est, elle est visible. Ils sont encore en carton, du coup. Ah oui, ok. Ouais. En fait, là, on les sort que si on est sur le chantier. Ouais, ouais. Ouais. Et ben, écoute, j'attends la réponse de Zabi. S'il me dit, tu me l'avances, je reviens vers toi. Éventuellement. Ok. Merci beaucoup, hein, parce que c'est, il est sorti il y a quelques années, il n'y a rien. Et ouais. Il va être remplacé au fur et à mesure. Là, il va être remplacé. Ok. C'est le vaisseau de 3 heures de la prélogie. Ouais, ouais, je vois, ouais, ok. Ouais, 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 un bel investissement, quoi. Mais c'est des belles pièces, forcément. Ouais, c'est normal que ça coûte. Ouais. Ouais, ouais. Pareil pour le Titanic et pareil pour la Tour Eiffel. Il demande si vous faites une petite réduction, parce que si tu dis que tu as un peu de casse dessus, potentiellement. Sur les faucons, je pense que là, vu qu'en fait, ils sont encore en commercialisation, il y a encore des boîtes qui sont propres. Okay. Ça va rester tous les boîtes. Bon, bah, Zanmi, il n'y a pas de réduction. Tu me dis, Zanmi, moi, je... je vois après avec. Après, pour le tour, pour la montée, en plus, quelque part, au stock, au faucon. Ok. Ouais, je sais qu'il y a un cas, c'est des très gros pics montés, on les sort de temps en temps, parce qu'il y a le Goodbuster en face. Comme tu as le hâtier en vitrine, le problème c'est que le faucon, quand tu rentres en vitrine, il y a la taille. Ouais. Il rentre pas dans celle-là. En plus, si je pars avec ça, il va falloir que je retourne dans ma voiture, que je le dépose. Que... Après, il passe sur le coin. Ouais, j'imagine. 10 kilos, je crois. Ah oui, 10 kilos, 10, 10 kilos le machin. Kilos, parce que c'est le deuxième le plus lourd, c'est le Titanic qui fait 12 oui. kilos. Ouais, ouais, ouais. Qui est en plusieurs parties, que tu assembles. Ouais, ouais, ouais. Tu peux laisser le parce que t'as les moteurs et les. Tout à fait, ouais, il est magnifique. Ouais. Ouais, c'est quelque chose. La Tour Eiffel aussi est très impressionnante, ouais, très haute pour le coup. Elle fait 1m50 en hauteur, ah, et elle fait un sous-socle, elle fait un socle de 60 sur 60. C'est une belle pièce. Du coup, dans un salon, c'est joli. Et là, je reste vu, parce qu'on a reçu Vendel. Qui est sorti en début d'année. Ouais, ouais, Faucon, tout à fait, ouais. Je sais qu'on attend le 7 de faire un anneau. C'est la conservation des couleurs, donc c'est pour les paris dans le film. De savoir ce que ça va être, ouais, genre quoi, Casa de Doom peut-être, ou Minas Tiris. Là, c'est il y a moyen de se rester, peut-être le bouffre de haine, mais moi je pense à un petit baradour. Ah ouais, ouais, ouais. Une bonne tour. Baradour, ça peut être sympa, ouais. Une bonne tour d'un bon mètre de haut. Ouais, parce que j'allais dire, même des trucs comme Edora, c'est vrai que c'est moins impactant visuellement. Ouais, et le truc, c'est que là, c'est que Faucon, il y a tous les gentils dedans. Ouais. Oui, donc du coup, tu verrais plutôt le contrepoint avec des méchants. Toute la communauté de la nage, dedans. J'avoue que Baradour, ça serait stylé. Hein. Ça serait stylé, hein. De ouf. Ah ouais. Cool, on attend. On prend les paris. Ouais. Je me fourvoie peut-être, c'est la version originelle ou la version film Disney? Il demande pour le. Le Faucon. Le Faucon, ouais. C'est Disney. Ok, c'est celui du 789 du coup. Ouais, avec l'antenne carrée. Ouais, je sais pas si t'as entendu, Zanmi, je pense qu'il a entendu. Le micro est marché. Ouais, ouais, ouais. Okay. Bah, écoute, je vais aller faire un petit tour, je vais quand même aller voir pour les figurines au-dessus. Je vais essayer de trouver un truc pour faire vite fait un capitaine, ça peut être marrant. Il reste des bateaux, et je crois qu'il reste des petits chapeaux de marche. Ok, ok, ok. Bah, je vais aller jeter un coup d'œil. Et puis si on se recroise pas, ça va faire plaisir de voir les endroits. Ça fait des années qu'on s'est pas vu. Oui, c'est quand même cocasse de se croiser comme ça. Ouais, oui, 2018-19. C'est ça, c'est ça. Je revenais du Japon et je faisais encore un peu de salon. Ça faisait 2017-2018. En 2020. Ouais. Ouais. On s'était pas vu à Tarbes aussi. Si, il me semble. Hein. Ouais, ouais. Toulouse et Tarbes, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Eh ben écoute, je vais jeter un coup d'œil là-haut et puis je te ferai un coucou si je repasse en bas après. Ah oui, aucune chance que j'achète ça. Du coup, demain, oui, t'aurais préféré le. T'aurais préféré l'original, toi, le vieux. Bon, juste un coup d'œil aux figurines et assembler soi-même. Impossible à ranger. Mais incroyable de retomber sur lui. Alors, j'espère que ça capte bien. Ouais, ça a l'air de capter. Hein. L'original se vend aujourd'hui 2000 euros minimum, c'est pour ça que j'étais perplexe. Il a dit qu'il était à combien le classique là? 800 et quelques, non? Je sais pas si c'est des boîtes par trois là. Attends, je vais demander comment ça se passe quand on va en prendre qu'un seul, s'il y a une boîte particulière ou...
Bonjour. Une petite question, si je veux prendre une seule figurine, je prends quand même une boîte de 3 et j'en mets maintenant. Vous la prenez toute seule, c'est 2,50€. Ouais, c'est ce que Lisandre m'a dit en bas, ouais. Tout à fait, donc n'hésitez pas, vous les prenez. Ah, c'est un pote de Lilou. Mais oui, mais c'est fou quoi, je me balade et je tombe sur lui, je phase. Je dis, mais on se connaît, hein. Oui, il a un beau mulet maintenant. Et on s'est pas vu depuis 2017. Ah ouais? Ouais. Vous connaissez? Des salons geeks où j'exposais et lui faisait du cosplay. Voilà, donc incroyable. Le monde est petit, hein, comme quoi. C'est sûr. Mais surtout à Bordeaux, alors qu'on te connaissait de Toulouse. Ah, d'être sur un chat ou quoi? Ouais, je suis en live sur Twitch, tu vois. Du coup, je me balade dans Bordeaux et je suis content de voir que ça capte. D'ailleurs, salut, en fait, on dit chocolatine. J'habite à Pau, c'est pas le problème. Ah, ça, mais Pau, c'est très bien. C'est bon, après, je suis bourguignon à la base, donc des fois, ça m'arrive de dire pain au chocolat et les gens, ils font oh mon dieu, un ovni, c'est ça, je vais faire un arrêt cardiaque. Bon bah, dans le live quoi. C'est gentil, merci. Pardon. Hé papa, tu veux me faire des bonhommes, papa? Comment? Tu peux me faire des bonhommes? Le stream? Yes, on Twitch. It's a CPT _ ADOC. I'm from Spain. Oh, okay. I'm not very good at Spanish, sorry. I am a streamer. Okay. Twitch, yes. Oh. Attends, je me permets. Attends, il est No connection. Outsider. Pardon. Oui, tout à fait. Bon, du coup, j'essaie de trouver un corps un peu pirate. Salut Camouille. C'est comment il s'appelle ou pas? Alors, voilà, je suis en pleine recherche de corps pirate. Normalement, vous m'entendez bien. Hein. Normalement, ça capte toujours. Ouais, bravo. Ouais, un truc un peu pirate comme ça. Ça c'est pour trouver les pièces. C'est compliqué, hein. Il y a la moustache. J'avais un bleu. Je sais pas si on va avoir des chapeaux de pirates en vrai. Attendez, j'essaie de me pencher pour regarder les jambes là. Il n'y a pas un pull bleu, je vais regarder. Attends, déjà je cherche les jambes, il faudra un truc assez neutre. Genre noir ou bleu marine. Là, il y a rouge et noir. Il n'y a pas un truc noir, forcément un truc noir. Ah, j'ai trouvé un truc un peu plus neutre là. Attends, je vais essayer de trouver un haut bleu marine.
Ouais, le problème, c'est qu'il y a surtout beaucoup de haut bleu clair. Salut Patrick Geek, comment vas-tu? Toi, c'est vraiment neutre. Hein. Après, au pire, au feutre, on peut dessiner une croix, enfin une encre de pirate dessus. Hein. Je sais pas ce qu'est le mieux. Donc là, ça fait pirate, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Admi? Il n'y a pas de bleu marine. Il y a du vert, du cyan, du bleu clair, du marron. C'est vrai, je te dis, sinon je prends ça et je fais une encre de marin dessus, hein, au feutre. Hein. Bon, je vais garder à la main. Peut-être on a pris quoi. Ah, mais il y a d'autres torses. Hein. Il y a d'autres torses en fait, ok. Alors, il y a un truc comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait des bleus marines. Je suis en train de regarder, mais j'en vois pas. Prends tout le lot. Et oui, il y a ça. C'est un peu plus adapté comme couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça ou un truc qui fait vraiment pirate, quoi? Ah, par contre, est-ce qu'il y a des chapeaux de... Est-ce qu'il y a des chapeaux de pirates, hein? Ça, j'ai un gros doute. Et des sabres. Il y avait un tintin vieux derrière. Ouais, de côté, il n'y avait pas la façon figurine et la brique à l'unité, mais il y avait au moins autant de choix à Leclerc. Ah ouais? Ouais, je cherche le chapeau, mais... Attends, là il y a les chapeaux ou les cheveux. Ouais, les chapeaux, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout, hein. C'est genre des coupes à la con comme ça. Je préfère l'histoire du feutre. C'est vrai que le... Ouais, je suis assez d'accord avec toi, t'as raison. Donc je prends le bleu, le seul bleu qu'il y a, et on fait l'encre dessus. Par contre, je vais leur demander s'ils savent s'il y a des chapeaux de pirates, ce serait incroyable. Attends. J'essaie de trouver un des vendeurs. Je sais pas s'il y a un des vendeurs. Mais justement, je vais demander parce que j'en vois pas. Peut-être que eux savent. Je vois pas de vendeur là tout de suite. Tu peux prendre un chapeau, un accessoire, une tête, un corps, des jambes. Après, ouais, dans les accessoires, ça c'est autre que le chapeau. Oui, il y a des trucs un peu pirates, hein, genre des sabres. Ça, je le peux mettre dans la cabeza. Un este de cumpleaños, ¿verdad? Mira. Si lo pones en la cabeza esto... Ah, dommage qu'il n'y ait pas un verre de jus d'orange. Ah oui, une casquette de capitaine, ça serait incroyable, mais j'en vois pas. Faut que je leur demande, en vrai. Faut vraiment que je leur demande. Je te dis, je vois pas de vendeur, alors... Attends, je vais demander au petit jeune, là-bas. Un barbu avec une longue barbe blanche aussi, pour le juge. Après, c'est plus cher. Hein. 3 figurines, c'est 7 euros. Attendez, je vais lui poser la question. Hein.
Une question à tout hasard, est-ce que tu sais si dans les lots de figurines individuelles comme ça il y aurait un chapeau un peu de pirate ou Je pense pas qu'il en reste en vrai. Ah ouais, il y en avait. En fait ça dépend de ce que les gens ils prennent ou qu'ils prennent pas. Ouais. Et, ils prennent souvent les mêmes trucs. Ouais, ouais. J'en ai pas vu, je voudrais faire un truc un peu Captain Haddock. Donc j'ai pris un truc bleu et je vais mettre une. Je disais, on dirait la casquette. C'est la casquette, exactement. Exactement. Sacre bleu. Et oui, c'est ça. Donc j'ai vite regardé, mais. Vas-y, je vais regarder, mais je trouve pas. Ah, c'est gentil. Au pire, bah non, je vais monter en réserve, je vais voir s'il en reste dans le. Ah bah c'est, t'es adorable. Voilà, il va regarder en réserve. Ça c'est beau. Ah oui, oui, non mais oui, c'est très cher Lego. Lego c'est très très cher. Une figurine c'est 2,50€, donc je la ferai gagner sur la chaîne. Petite figurine de Haddock là. On va attendre le jeune homme. Ah oui, c'est devenu un luxe, clairement. Clairement, clairement. Putain, j'avais pas vu le Bowser là. Attendez, je vais vous montrer le Bowser. Oh, pardon. Salut Styrek. Le plus 5 au charisme fonctionne. Salut Master, comment vas-tu? Je vais regarder si je trouve pas une tête un peu plus adaptée là pendant que le mec va chercher un chapeau. Bon, en vrai la tête est bien. Ah, tu l'as pas acheté le buzzer? Et ici les... Voilà, c'est les Lego City. Entre trois figurines, t'as un petit don. Quoi? Il y a eu un don? C'est pour de vrai, Mambo? Ça, je peux pas du tout vérifier. Putain, j'ai aucune notif qui apparaît dans le chat. Je crois que je vais craquer. Alors attends, si c'est ça son truc. Je viens de le faire. Oh là là, mais c'est adorable. Mais attends, du coup, on va essayer de faire le juge. Ah. Bon, je te propose de faire des trucs. Ça, t'as pas trop à chercher. Alors, voilà. Ça, c'est rigolo parce que. Il y a un petit côté marrant. Ah, ouais, ok. Là, t'as la parka qu'il y a dans le set avec le phare. Ouais, ouais, ouais. Et éventuellement, ça, je sais pas s'il en reste beaucoup, donc tu fais un vrai. Donc, ok, ok, ouais, pas mal. Ça marche bien. Ensuite, bon, bah, je trouve un pirate. Ça, c'est casse de police, puis ça fait genre. Ah, ouais, c'est pas mal. Voilà. Et sinon, t'as vraiment le truc de parka, là, comme ça. Là. Ah, ouais, c'est pas mal. Voilà. Petit poisson. Et si c'est vraiment Captain Haddock, peut-être l'Armagnac. Ouais, ok, super. Voilà. Et du coup, je pense en prendre qu'un à la base, mais quelqu'un fait un don pour que je puisse en prendre trois. Donc, je pense j'en prends trois et ouais, je peux partir sur tous les trucs que t'as pris. Comme ça, je vais essayer de faire un assemblage. C'est adorable. Merci beaucoup, c'est vraiment adorable. Comme ça, je dis même à mon fils de 8 ans. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Bah, le chien, ça. Mais c'est gentil, c'est adorable. Hein. Reste quoi là, je comprends pas. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Bah, ouais, mais c'est très bien. C'est gentil, merci. Attendez. Attendez, je vais vous montrer ce qu'il m'a apporté. Regardez, il m'a trouvé le chapeau de pirate. Il m'a trouvé aussi le chapeau de policier. En plus, en vrai, je pourrais le repeindre pour mettre l'encre dessus au feutre. Donc, je peux vraiment faire un vrai Captain Haddock. Non, attendez. Parce que là, en vrai, on fait une encre sur le pull, on repeint ça avec l'encre. Incroyable. Superbe. Et du coup, il m'a amené aussi un truc pour faire genre la fiole d'Armagnac. Attendez. Allez, tac. Le jus d'orange. Attends, je vais essayer de faire le juge en deuxième personnage, mais je pourrais faire un Haddock pirate aussi. Hein. En vrai, je peux faire un Haddock full pirate. Hein.
faut juste une tête. Et du coup, j'ai le chapeau de pirate, torse nu, avec le sabre dans la main, ou le poisson. Qu'est-ce que vous pensez, plutôt le poisson ou plutôt le sabre? J'ai vraiment un gamin. Le sabre. On peut mettre un truc dans chaque main. Si, on peut mettre un truc dans chaque main. Donc je peux mettre le sabre dans une main et le poisson dans l'autre. Tu sais, quand c'est pieds nus, c'est rigolo. Ah oui, 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 aussi, ouais. Et on peut prendre un truc dans chaque main? Ah, c'est un accessoire. C'est un seul accessoire? Ouais. Ok. Bah, au pire, ça dépend si le troisième se prendrait ou pas. Donc. Ah ouais. Parce que là, du coup, on peut, en plus, le dos du marin. Un juge de pommes. Attendez, il me faut une tête. Il me faut une tête. Alors attendez. Je reprends la caméra. Je vais essayer de trouver une tête pour le juge. On peut se faire de la non. La tête, ça. Non. Il faut une moustache. J'ai deux amours, mon payé Bruce Lee, ouais. Salut Imhotep. T'as trop la tête dans le dos? Non, ça va. Ça va en vrai. J'aurais bien dormi plus, mais... On va chercher juste une tête pour faire le juge, là. Ah, j'ai trouvé une tête moustache. Ok. Alors, attendez. Faut que je repose la caméra quelque part, là. Des jambes. Alors, un torse des jambes. Ouais, le torse c'est plutôt là. Ah mais les jambes c'est là. Alors, attendez, faut que je prenne une boîte aussi. Les têtes c'est là-bas. Il faut que ça tombe. Ça sera plus simple avec la boîte. Oui, je peux faire des Lego personnalisés, ouais. Alors, les jambes. Salut Bazaju, merci pour le follow. On va essayer d'attraper les jambes. Pour le juge, il faudrait un truc noir. Un truc assez sobre, ou bleu foncé, ouais. Enfin, genre bleu foncé comme ça. Alors là, il y a les torses. Salut Bazaju. Figurine Marine Le Pen. Quel enfer. Attends, bon, le haut du juge, ça va être compliqué, je pense. Hein. Ouais, le haut du juge, ça va être complexe. Ah, il y a une équipe qui fait un peu froufrou, mais c'est pas de la bonne couleur, quoi.
Là, ça fait plus clown qu'autre chose, quoi. Sinon, ouais, j'en prends un autre et je le repeindrai. Hein. Je le repeindrai à la main. Ouais, attendez. J'ai trouvé une perruque blanche. Alors. La perruque blanche, j'ai pas l'impression qu'ils aient. Il faudrait un marteau. Même sur le site, il n'y a pas ? Ah ouais. Par contre, un petit marteau, je pense qu'il y a moyen. Ah. Your channel? Yes, 2 million. Ah, ok. I will watch. Have a nice day. Une bouteille de rhum. J'ai une bouteille, ouais. Et là, j'ai regardé si je trouve un espèce de petit marteau ou un truc qui ressemble à un marteau. Je sais pas s'il peut y avoir ce genre de truc. Il y a du sable, papa. Regarde. Ah, mais bon, j'ai demandé. Je trouve pas, mais il va me dire tout de suite si ça existe ou pas. Je sais pas, je le vois pas dans le coin, le mec. Ah oui, le wedge. Tout le Lego de la petite fille. Ouais, stylé aussi, ça. Attends, je vais lui poser la question au jeune homme. Pardon, excuse-moi de t'embêter encore une fois. Tu sais si dans les petits accessoires il existe un petit marteau ou un truc comme ça? Ah, il y en avait il y a longtemps. Ah merde, là, il n'y a plus du tout. Ouais, ok. Ça marche. Je vais rendre un truc qui ressemble un peu et de me débrouiller. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de soucis. C'est déjà très gentil pour les chapeaux. C'est adorable. Un marteau pour réparer? Ouais, c'est ça, ou un marteau de juge, mais. J'essaie de regarder s'il y avait une tenue de juge, mais. Non, c'est trop spécifique, ouais. Oui, mon soldat, il n'y en a pas. Ouais, ça, tu sais, ouais. Pas un diamant, j'en ai plein. Un diamant, non. Ça fait longtemps que je l'ai pas eu, genre. Peut-être même un an, je pense. Ah oui, ok, ouais. Effectivement. Non, mais c'est gentil à toi, hein. Je regarde si. Oui, il manque une coiffure. Vas-y, prends un truc. Ouais, je vais regarder. C'est où? C'est là-bas, non? Ils sont par là, ouais. Ouais, là-bas, ouais. Ok. Bah, au pire, tu sais quoi, je vais prendre le petit chapeau que tu m'as mis de côté. Comme ça, je pourrais toujours switcher sur un truc. Exact, bah en plus, ça avait l'air bien. Ouais, je crois que c'est le même que j'ai pris, hein. Le haut. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, bah je vais prendre ça. Bah, je te remercie. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Les caisses, c'est en bas? En bas ou en bas? Je vais aller en bas, je pense que ça capte mieux en bas. Ouais. Mais ça va en vrai, ça va. Ouais. Allez, passez une bonne journée. Dernière journée. Ah, c'est vrai? En vacances ou dernière? Dernière. Ah ouais? Après 8 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah écoute. Et du coup, ça va, l'expérience agréable? Ouais, mais là, après 8 ans, ça tire un peu. Alors, ouais. Je suis content de partir. Tu es de la région à la base ou... Ouais. Je suis de l'Arcachon. Ok, Arcachon, très bien. L'Arcachon, très bien.
Non, moi je suis bourguignon, mais je suis descendu dans le sud-ouest il y a déjà quelques années. Ouais, on s'en revient dans le sud-ouest. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Écoute, bonne journée à toi. Mais de même, de même. Et puis bah, profite bien. Il faut, ouais, très bien. Salut. Alors attendez. Je vais aller vers les caisses en bas. Et du coup, je vous ferai gagner les figurines. Alors, je ne sais pas si je ferai gagner les trois d'un coup ou trois séparés. J'ai réussi à trouver des trucs. Ouais, il y a un de tes collègues qui a été me chercher en réserve un chapeau de pirate, parce qu'il n'y en avait plus du tout. Ouais. Du coup, voilà, j'ai essayé des trucs et je pense que je vais repeindre genre le chapeau de policier pour faire la casquette comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Ah, c'est cool. Du coup, je vais aller régler. C'est par là, dans les caisses Ouais, mais je me dis que ça capte mieux en bas, ouais, je reste en bas. Ouais. Bah écoute, je vais régler, puis après je repasse et je te salue. Ouais. Ok. Ouais, il y a des petits trucs à 20€ à assembler aussi. Cette boutique est trop bien. Elle est trop bien, la boutique. T'as fait quoi à Bordeaux? Oh, bah, j'ai fait la boutique de Lego. Je fais combien? 70% de batterie? Ouais, ça va. Ça va. Ça fait une heure qu'on est en stream. Si j'avais énormément de thunes, je prendrais clairement un truc Lego Star Wars et je le montrerais en live pour le faire gagner, mais bon. Ça coûte cher. Ça capte bien là. Ouais, ça capte très bien. Je veux dire, il y a des mini-scènes, c'est dans des... J'aime bien la petite phrase, le pont n'est pas inclus. C'est cher, mais c'est stylé. En vrai, c'est stylé. Et 20€ Gandalf et le Balrog. Un Legolas, j'ai pas vu, il y a Frodon et Gollum là. Mais Gandalf et le Balrog, stylé. Bébé Yoda aussi. Attends, je le vois pas, le Wally. Je suis bigleux. Je vois pas le Wally. Ouais, les duos, ça va. Hein. Tu sais que j'hésite à prendre le Gandalf et le Balrog. Hein. Pour les faire offrir sur un stream. Alors, il faut que je le retienne. Le bouclier Captain America, ouais. Je sais plus à combien il est, mais il est classe. Après, pour le prix, c'est pas truc qui m'attire le plus, hein, en vrai. Clairement, le X-Wing, dinguerie. Hein. Je
Ouais, mais justement, j'en discutais avec Lisandre, là, mon pote qui est à l'accueil. Il disait que les prochains kits Seigneur des Anneaux, c'était peut-être Barad-dûr ou... C'était sans doute un truc côté du mal. Il y a combien, le X-Wing? Je sais plus, il est pas genre à 250, non? Ou 300? Je sais plus du tout. Moi, chez moi, j'ai un... Comment ça s'appelle? Un Stormtrooper, ce sert en buste. Que j'avais fait en live au début de la chaîne. Très stylé. Je vais redemander le prix en caisse du X-Wing. Ah, t'as l'original. Hein. Il a coûté cher aujourd'hui, l'original. Ah oui, il y a des Lego Minecraft en face de moi. Là. €150, oui, c'était moins cher. Hein. Il y a du... énormément. Énormément. Pourtant, on est dimanche. Hein. Et ils ont 2000 balles aujourd'hui, le l'école de la mort. Hein, oui. Il y avait le Titanic à l'étage. On avait tout sorti. Hein. Heureusement, ce que je prends, ça tient dans le sac sans problème. Hein. Bonjour monsieur. Bonjour. Je me permets, je pose mon bazar. Hop, je remets juste ça dedans, j'ai pas pu mettre tout à l'heure. Voilà le chapeau. Oh là là, je fais n'importe quoi. Attendez. Excusez-moi. Ça sera pour faire. Pas du tout. Non, 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 c'est gentil. Je viens vraiment pas assez souvent pour ça. Et puis je vais éviter de donner mes infos personnelles en direct. Oui. Par carte. Allez. Allez. Je vous en prie.
Hop, je vais vite. Est-ce qu'il faut un ticket de caisse ? Non, 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 vous embêtez pas. Allez, c'est bon pour moi. Je vais glisser juste ça là-dedans, un peu fragile. Super. Merci à vous. Merci, passez une bonne journée. Hop, je vais prendre ça. Tac, tac. Allez, passez une bonne journée. Également, au revoir. Merci, au revoir. Hop. Bon, je repasse avec eux, je salue mon pote. Bonne journée, bon courage. Et il est parti ? Il est en réserve. Ah, ça marche. Eh bien, écoute, tu lui passeras le au revoir aussi de ma part. Tu lui diras que ça m'a fait très plaisir de le revoir. Ouais, mais toi aussi, tu avais déjà lu quelque part en vrai. C'est vrai ? C'est possible, hein ? Toulouse Game Show, non ? Bah, il y a Antoine Daniel et tout. Ouais, mais j'ai bossé avec Antoine Daniel. Ouais, bah, je t'ai. Et je joue dans le What the Cut 37. C'est ça, ouais. Peut-être, ouais. C'est exactement ça. J'avais une plus grosse barbe. Et plus de cheveux, mais bon, ça se voit pas, là. On a des gens, c'est pas vrai quand même. Merci beaucoup pour le coup de main et merde à toi pour la suite. Ouais. Salut. Ouais, j'ai eu un joli sac Lego. Alors. Bon, j'ai pas pu voir mon pote, mais le monsieur qui m'a trouvé les pièces, lui passe le au revoir de ma part. Incroyable et improbable cette rencontre. Genre le coup du mec qui dit mais je t'ai déjà vu quelque part, Antoine Daniel je crois ou... oui. Là, j'ai passé combien de temps dans cette boutique là? J'ai passé une demi-heure, trois quarts d'heure. Putain, le soleil, je ne vois rien. Salut Lexi. J'ai raté quoi à Parfeur? T'as raté la boutique Lego, où je rentre dans la boutique et je vois un des vendeurs qui est un pote à moi que j'ai pas vu depuis 7 ans. Improbable. Et l'autre vendeur à la fin en sortant qui me dit mais je vous ai déjà vu quelque part non? Vous étiez pas avec Antoine Daniel Si tu parles de... Faites des gosses. Quelle horreur, faites des gosses. Oh putain. Oh la nuée humaine. Attendez. Comment tu vas Alexis? On vient de faire une balayette au gosse, il s'éclate la gueule hein, sur le pavé là. J'ai hésité. Et du coup le mec qui m'a trouvé une casquette de capitaine, c'était son dernier jour de boulot après 8 ans dans la boutique Lego. Voilà. Incroyable. T'es une star à Bordeaux en fait. Le mec m'aurait dit jus d'orange, j'aurais éclaté de rire, mais. Ah, il fait très très beau aujourd'hui. Par rapport à hier où on est en Bretagne, ah, il fait très beau. Oh non, mais encore un gosse qui pleure. Mais castrer le père avant de concevoir. High kick, double quick, Nesquik. Hop. Si tu vas dans un mango, je peux te conseiller un chouette outfit. Par contre, c'était vraiment un miracle que ça capte dans le Lego. Hein. Putain, le Lego Store 5G partout là. Incroyable. Vous m'avez transféré votre pickle par télépathie ou bien en vrai, enfin je ne m'avance pas pour Arline et Lancaster, ni enfin Carotte, je sais pas s'il est là.
En vrai, on a été raisonnable. Clairement. Ah, monsieur Marlock, comment allez-vous? J'ai pas la soundboard. Alors. Place du théâtre. Je pense qu'on va aller en direction des quais. Top cuivré. Mal aux cheveux? Oh, c'est bizarre, tiens ça. C'est bizarre. Étrange. Nous, on a été raisonnables, ouais. Contrairement à quelqu'un présent dans le chat que je ne citerai pas. Des images, ouais, sage comme des images. Et on n'a pas du tout repris de crêpes après, faut... Non, ça c'est faux, c'est totalement faux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va sur les quais? Je connais pas raisonnable, c'est comme modération. Ouais. Tu connais pas le pardon aussi, je crois. Je voudrais un peu plus pousser. Jamais les crêpes. Ah non, on n'a pas pris de crêpes. Il n'y a que Carotte qui a pris une crêpe. Et après, c'est un photomontage honteux. Boum. La balle perdue. J'ai fait en PV sur Discord. Ah ouais, je peux pas lire. Hein. Tu l'as fait du coup pour 4 personnes, c'est ça? Quoi coup belaise, ces petits farfadés, exactement. Oui, alors, là, c'était pour retranscrire la sexualité, le rapport à la mère. Bah, en troisième, alors, c'est la fête. Camille, regarde où tu vas. Votre portrait, votre caricature sur place. Et attends. Est-ce que ça serait pas... Bonjour. Est-ce que ça serait pas très très drôle de demander ça et pareil de le faire gagner à quelqu'un ou de le mettre dans le setup le jour où j'insiste. C'est horrible, mais même les pierres. Oh go. Bonjour monsieur. Vous prenez combien pour un portrait? 25 euros. Et vous prenez la carte ou... Non. Il y a un distributeur là-bas. Ok. Bah écoutez, je vais sans doute revenir. Je fais un petit tour. Et... Ah bah bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Ah bah oui. À plus tard. Alors, 25 euros. T'as déjà, il m'aurait dit 15, j'aurais été en mode... 25 euros, ça fait chier. Oh non, pas un chien qui gueule. Tu t'attendais à quoi? Bah pas 25 euros. 35 par 25... Non, c'est 25. Putain, mais vous avez des problèmes d'audition, hein. Non, c'est 25. Et en plus, il peint moins bien que moi, ouais. Non, 25, pas 35, mais 35, là, j'aurais dit, bah, écoutez, bonne journée. Ça peut... oh, attends, et le mec, je négocie. 60 euros, non, 60 000, 90 000, que racontez-vous? On n'a pas bien entendu le début. J'avais entendu 35, non, c'est 25. Je réfléchis. Sinon c'est 15 euros mais sans barbe et sans casquette. Ah ouais, mais là c'est nul. Je peux vous payer en sub, monsieur? En vrai, 25 euros ça va. Être ce pauvre artiste itinérant, ce bobo gauchiste. Allez, let's go. Bon, il faut que je tire de l'argent.
faut que je tire de l'argent. Il m'a montré par là-bas, là. Sois bon du cœur, capitaine. Attends, déjà je cherche. Il y a un CIC là. Ok. Ok. Non, mais c'est surtout que je me dis. À Paris, quand on va y être avec Lexi, je sais pas pourquoi, je pense que ça va être plus cher. Donc bon. Assieds-toi, mets ta casquette à l'envers, devant toi et attends. Ah oui, non. Et en filmant. En fait, je fais un vlog, je fais la manche. Super. Il est où le distributeur? C'est que cette merde. Il est où le distributeur? What the fuck? Salut Cradle. Quand vas-tu? Je ne trouve pas le distributeur. Ah, il est indiqué là. Sniff. Ah merde, Dankster. Putain, mais je suis tellement dégoûté d'avoir oublié de te filer le tableau hier soir, Dankster. Mais tellement. Des bisous, à plus tard, Dankster. Bon, le distributeur a l'air d'être par là, on va aller par là. Qu'il est ce distributeur infernal. Ah merde. Merde. Mais c'est une blague. Il n'y a rien d'indiqué. Salut cette Little Fox, comment vas-tu? Non mais en fait, je lui ai sorti son tableau, je lui ai montré. Et je lui ai dit, écoute, je le garde dans la pochette, dans mon sac, et je te le donne à la fin. Sauf qu'à la fin, on avait coupé le stream, on était en train de discuter de chill, tranquille, jusqu'à 2h du mat, et puis ben, en partant, on a oublié. Du coup, je l'ai laissé à Arline, qui habite à Bordeaux, et qui pourra sans doute plus facilement lui remettre en main propre, même si on a prévu de se revoir tous les quatre hors stream. J'ai passé mon temps à dormir une partie de la journée. Ah, pas moi. Couché 4h, levé 11h. J'aurais bien dormi plus, pas de le cacher. Archibald Dadoc, comment vous portez-vous? Et moi je vais très bien, cette Little Fox, merci. On ralentit hein, sur le distributeur, on ralentit. On va en chercher un autre. T'as l'air d'avoir fait une belle soirée en Scooby-Doo. Moi j'aimerais beaucoup l'avoir en, pendant le vlog, le costume de Scooby-Doo. C'est ça, il a dit qu'à un endroit, il n'y a pas de distributeur. Mais non, mais là, c'est une blague. En plus, comme un con, j'ai oublié de sortir, j'ai oublié de tirer du liquide avant, quoi. Mais bon, là, c'est ma faute. Oh là là. Ça fait mal au bras, ça. Je pense que le distributeur a dû être fermé, là. Où c'est qu'on va? Aller par là. Oui, je pourrais vous les montrer. Bah, pendant la peinture, je serai posé. Attends, on cherche juste un distributeur parce que là, au milieu de la rue, je peux pas trop ouvrir mon sac comme ça. Mon sac est fait à 23h. Salut, c'est Little Fox. Oh, un Apple Store. Oh, holy shit. Est-ce qu'on juge une ville à la présence ou non d'un Apple Store? I'm looking for a distributeur. La con sur la pêche au thon hier. Mais oui, tout à fait, ouais. Tu vas boire une bière et retirer 25 balles dans le bar? Quoi? Ah bah non, on peut pas retirer de l'argent dans un bar, what the fuck? C'est un bar, c'est pas une banque?
Mais où? Mais... 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 Mais what the fuck? What the fuck? Attends, je vais demander au bar là si ça vaut, il y a un distributeur. Au Canada, tu peux? Dans les commerces, mais tu peux pas retirer de l'argent avec une carte bancaire dans les commerces. Je vais demander, ah oui, où se trouve, je vais demander au serveur là. Je sais pas du tout où c'est. Bonjour, je voulais vous poser une question, je cherche un distributeur. Ça veut? Juste là? Parce que je suis allé à droite, j'en ai pas trouvé. Le long là? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Ah, je sais pas. Je sais pas. Putain, mais j'étais genre... Je suis passé à côté, quoi. Oh là là. Je suis vraiment littéralement passé à côté. Ah oui, il est là. Il est là, il est là. Bon, Francis, si tu peux jusqu'à 50 euros. Je crois, dans certains commerces... J'en ai jamais entendu parler de ma vie, ça. Hein. Alors, attendez. Alors là, ça va être complexe. Ça va être complexe. Ils vivent dans le passé, les Français? Bah, disons que nous, on trempe pas des pêches dans du thon avec de la mayo, quoi. On vit dans le passé, mais on a plus de goût. Donc bon. Alors, attendez. Faut que je jongle. Outre les balles arrivées là. Retrait sorti 4. Oh mon dieu, son code c'est bip 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 bip. Je le savais. Je l'ai deviné au bruit du bip bip. La thune. Un, deux, trois, quatre. Merde, comment a-t-il deviné? Ok, c'est bon. Let's go. Nickel. Ça tire violemment. Alors, souviens-toi, le castor de Poméranie. Ah oui. Est un animal aquatique nocturne. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Allez. Allez, parce que du coup, ça, voilà, ça vous a fait rire. Vous l'avez tous demandé. Je vais me faire tirer le portrait. Et ce portrait, en fonction de la qualité, on verra. On verra. On verra si je le mets dans le setup. On verra si je le fais gagner. Voilà, va te faire tirer. Attends, je vais vous montrer les ce qu'il fait. Oh, bonjour. Plutôt une caricature. Hein. Bonjour, oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, bah oui, plutôt, oui. Pas un portrait. Hein. Ouais, je sais, mais je l'ai laissé à la maison. Après, vous pouvez peut-être l'imaginer si vous avez de l'inspiration. Bah, si c'est possible, ça serait incroyable. Ouais, bah ouais, carrément. Carrément. Alors, je précise, je me filme en direct. Ah oui? Ouais, je suis devant 171 personnes. D'accord, voilà. Parfait. Mais je, voilà, exactement. Exactement. Du coup, je fais quoi? Je m'assois ici? Vous asseyez là. Ouais. On va pouvoir bouger pendant un certain temps. Pas de problème. Alors, est-ce que vous pensez que je pourrais me rapprocher un petit peu de votre table et poser ma caméra sur la table? Oui. Alors, ça serait... mettre le trépied... C'est ça, ça serait super. Voilà, comme ça. Et si je peux rapprocher un peu le fauteuil, comme ça, j'arrive à lire le chat en même temps. Ok. Ça, on est vraiment dans l'intérêt. Ils vont se lasser parce que vous n'avez pas bougé. C'est ça, oui, ça c'est par pas grave. Ils ont communiqué. Exactement.
Du coup, si je peux regarder, je sais pas plutôt. Ah ben oui, vous pouvez, alors, en fait, quand on pose, on prend un point de repère. Ouais. Un point visuel. Ah bah si, si je prends le chat comme repère, donc, c'est parfait. Ben, c'est parfait. C'est super. Donc du coup, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il suffit de revenir sur le point. Ok. C'est nickel. Alors, attendez. Du coup, je bois un petit coup avant. Oui, oui, oui. Préparez-vous. Alors sachez que j'ai tourné tout chercher le distributeur pendant les 5-10 minutes pour mon truc qui était juste là en fait. Ah oui c'est ça. Non. N'oublie pas de rentrer le ventre. Ah. Ils sont sympas. Ils sont sympas. Ah oui, on demande s'ils sont en couleur. Oui, ils sont en couleur. Super. En couleur, mais c'est... Oui, c'est des tons assez... C'est un ton, enfin, ça camaille de couleur chère. Ouais. Non, très bien. Bah écoutez... Donc je me place. Ouais, moi je suis prêt. Donc si je regarde là-bas, est-ce que ça vous convient? Ça me convient parfaitement. En plus, comme ça, vous avez une magnifique vue sur mon appendice nasal. Ah, exactement, c'est voilà. Ce qu'il me faut. Alors c'est parti. Allez, je ne bouge plus. Je crois qu'on m'a jamais tiré le portrait, c'est une première. Hein. Ah, génial, j'aime bien les premières. J'espère que ça va faire trop mal. Ça fait pas mal du tout. Vous faites ça depuis longtemps? Oui, pas mal de temps déjà. Ouais. À Bordeaux, il y a l'heure. En fait, je commençais à faire du portrait, puis un jour, je me suis lancé. Parce que je vendais rien. Ouais. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de croquer les gens. Bon, je me suis mis un grand coup de pied aux fesses. Et puis finalement, ça a marché. Les gens ont aimé. Puis j'ai eu très très vite, parce que je faisais des petits prix. Ouais. Et j'ai eu vite une que. Ah ouais, super! J'ai refusé du monde. La première fois que j'ai fait ça, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, j'étais super. Et vous êtes originaire de Bordeaux? Oui, d'ailleurs Médoc. D'accord. C'est une bonne situation, ça, caricaturiste? J'en sais rien, mais bon, c'est un métier agréable. Ouais. Surtout quand la météo est avec vous. Où, pardon? Quand la météo est là, avec vous. Oui, c'est ça. Ouais. Hier, bon, c'était un peu plus... C'est ça. Il y en a qui font ça à Montmartre. Enfin, je connais quelqu'un qui fait ça tous les jours à Montmartre. Et c'est vrai que l'hiver, c'est pas mal. On me demande dans le chat, qu'est-ce que vous aimez manger? Ce que j'aime manger? Ouais. Moi-même? Oui, c'est... Non, vous. Ouh. C'est très spécifique comme question. Hein. Alors là, de tout. De tout? De tout. Monsieur n'est pas difficile. Monsieur n'est pas difficile. J'essaie de pas trop manger de viande, là. Oui, c'est bien, c'est responsable. Mais beaucoup cuisiné. Oui, pareil, hein, j'adore cuisiner. Ouais. Est-ce que vous aimez la pizza à l'ananas? Oui. Ah, très bien. Oui, ça va plaire à certains, ça va déplaire à d'autres. Parce qu'il y a des touristes. Ah ouais, il y a notamment un Italien dans le chat. Ah, forcément. Donc forcément... Bon, je me sers pas encore dans les trucs automatiques. Ouais. Alors, bière belge ou bière française? J'ai pas de préférence. On est sur une interview combinée là. J'avais pas réalisé ça. Oui, c'est ça. C'est génial. On me demande aussi chocolatine ou pas chocolat ou coupe, mais bon. Je pense que la réponse est toute trouvée. Ouais, mais j'aime bien le manger, mais de toute façon. Ça pose vraiment des questions. Sandwich à la salade ou au chocolat? C'est bien, ça me permet de me reposer un petit peu pendant cette balade. Ah ouais. J'imagine que ça rassemble, faites ça tous les jours? Non, je fais ça, on va dire, une semaine sur deux, les samedis. Les samedis, d'accord. J'ai fait Toulouse il n'y a pas très longtemps. Et vous présentez des villes comme ça? Ouais, je me balade. Je prépare rien à l'avance, hein. C'est pas très professionnel, mais je me balade et j'essaye d'interagir avec les gens. D'accord. Après, des fois, les gens sont pas toujours très... Coopératifs. C'est pas coopératif, mais ils sont toujours un peu surpris de voir quelqu'un avec une caméra, avec une casquette comme ça sur la tête. Alors maintenant, avec la télé, avec des émissions comme « Je vais dormir près ». Je suis un grand fan. Ah ouais, j'adore De Maximi. C'est super. C'est un mec en or, en plus. Mais non, sinon moi je fais des streams en direct depuis chez moi habituellement. D'accord. Je parle de cinéma, je fais du jeu vidéo. Ok. Mais c'est vrai que c'est un peu mieux que de parler
des nouveaux produits qu'il y a dans les magasins. Ouais, ouais, non, je suis pas influenceur de produits dans les magasins. Ah non, non, ouais, non, c'est pas mon métier. Ça, c'est... Je fais pas de tuto maquillage non plus. Quelqu'un devant de PSG ou OM? Mais vous êtes plus rugby? Je suis pas foot. Ah, ouais. Plus rugby? Ouais, plus ouais. Rugby, ouais. La chance intervient moins en rugby, ouais. Semble-t-il. Moi, je suis pas très sport en général, donc voilà, ouais. Je prends pas de risque. Voilà, voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a moins de problèmes de supporters au rugby. Ouais, tout à fait. Bon, ça va toujours? Ah ouais, nickel. Nickel, nickel. Ah, je vous dis, moi, ça me permet de me détendre. Hein. Bon, ça, c'est cool. Après, là, je viens de passer une demi-heure, trois quarts d'heure dans la boutique Lego, qui est pas très loin, rue de Sainte-Catherine. Il y a un Lego Store, une grosse boutique de Lego. Et avec des... évidemment, des expos. Oui, il y a beaucoup de pièces montées à l'intérieur. Après, c'est cher, Lego. C'est très, très, très cher. C'est un peu étonnant. Oui, maintenant, ils font des Lego d'œuvres d'art. Par exemple, la vague de Kusai représentée en Lego. Ça change des Lego habituels. Hein. Vas-y. La Joconde, on s'en va avoir vu aussi à la télé. Oui, c'est possible, ouais. Alors, on me demande dans le chat, est-ce que vous trouvez que je ressemble à Jean Dujardin? Non, du tout. Ah, ouais. Enfin quelqu'un qui a des bons yeux. Parce que, alors, depuis que j'ai 15-16 ans, on me le dit, mais très souvent. Ça alors. Ouais. Peut-être sans la barbe alors. Oui, ouais. Plus sans la barbe et quand je prends une pose un peu bizarre. Vous faites le chameau aussi? Exactement, exactement. Ah, ouais. Donc vous êtes un peu anti-sport, très bien. Alors, je suis pas spécialement anti-sport, c'est juste que le sport médiatisé m'intéresse pas plus que ça. Après, bon, je vais pas vous le cacher que je suis pas un grand sportif dans la vie non plus, mais. D'accord. Ça, c'est un autre débat. Oui. Salut Gombo. Alors, c'est mon travail maintenant. Carrément, ouais. Ah, ça, c'est chouette. Ouais. Pas que faire des blogs comme ça en extérieur, mais faire du stream en général. Ouais. D'accord, d'accord. Vous êtes équipé, super matériel et tout. Ouais, à la maison, ouais, beaucoup de matériel. Hein. On me dit cligne des yeux si tout va bien. Mais vous pouvez. Ça va, ça va. On me dit aussi si le gamin se casse la gueule en skate derrière, ça va être incroyable à la caméra. Tu peux faire une prédiction aux ennemis si tu veux. Je pense qu'il faut que tu mettes ennemis si l'un des mecs se casse la gueule. Parce qu'ils ont l'air d'être plusieurs là, je les vois passer derrière. Tu fais le cuirassé qui va avec. Ah, ouais. Le caraboudjan. Des cheveux. Pourquoi je mets une casquette, voilà. Ouais.
sans le méga fox, c'est méga fox. Une photo, wesh. Bon, on a fait le plus dur. Allez, c'est parti. Allez. Ça va toujours ? Ouais, nickel. Nickel, nickel. On a de la chance, il fait beau, il fait pas trop chaud. C'est parfait. C'est bien, il y en a qui sont pas à la plage. Oui. Bah là, il devait y avoir du monde sur la côte. Hein. Ah ouais. Ce week-end, là. Je peux pas l'avoir la prédiction Zadmi, je me rends pas compte. C'est sympa le boulot, hein. Ouais, ça va, il y a quand même plus... Il y a plus chiant, hein, clairement. Alors vous testez plein de trucs, alors, des magasins. C'est ça, je fais de la cuisine. Ah oui, mais ouais, je me balade, mais... Sinon, à la maison, je fais de la cuisine, du jeu, je discute des films. Et vous vous connectez aussi chez vous, en fait. C'est ça, exactement. C'est le gros de mon travail, c'est à la maison, à domicile, ouais. Ah, la plupart du temps, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, je fais de la peinture aussi. C'est con, je suis pas vous montrer, parce que ça vaut le coup d'œil. Hein. Chouette. Ah, c'est, ouais. Je sais pas si c'est le mot que j'aurais utilisé, mais... Au début, je faisais que de la peinture de figurines miniatures en direct. Ah, ok. Donc, vous, les Lego, l'intérêt pour. Ouais, après les Lego, j'ai toujours aimé ça. Mais, ouais. Mais là, ouais, c'était cette semaine, mercredi soir, j'ai fait un live où j'ai dessiné en peinture les portraits de certains de mes viewers. De certains, mais De personnes qui me regardent. Les viewers, c'est les gens qui regardent en direct. Ah, d'accord. Les viewers, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est vraiment dommage que j'ai pas une photo à vous montrer parce que je pense que vous seriez marré vraiment énormément. C'est bon, ouais. Vous faites de la peinture aquarelle. Ouais, non, c'est de l'acrylique, mais comment dire. Non, je peux pas lui montrer. Si je baisse l'application, ça ferme le stream, Zadmi. Ah oui, donc ça. Non, c'est un peu embêtant, ouais. Mais non, j'en ai pas, je les ai laissés à Arline. Exactement, Disco Gaucho, ouais, je me fais tirer le portrait. Du coup, comment ça se passe? Vous avez une autorisation de la mairie pour vous installer spécifiquement? Exactement, là? Ouais, c'est ça. Exactement. Il a fallu attendre, c'est 2 mois d'attente. Ouais, qui vous donne la réponse. Incroyable, et on est là chaque année. Mais chaque année, on attend. Ah oui, vous êtes obligé de refaire une demande tous les ans. Ouais, d'accord. Tous les ans. En fait, tu préférais un porte-avions. Bon. J'ose pas regarder, alors je regarde la surprise. J'ai pas mis le bandeau sur l'œil quand même. Oui, mais tu es enlevé dedans, il y a 2 ans en moins devant. Bon. On aime bien le chambrer quand il croit. Oui, je me doute. C'est de bonne guerre. Mais on le garde quand même, il est bien comme garçon. Propose-lui de faire sa caricature après. Oula. Ah, ça, je sais pas faire. Il me faudrait... Le miroir que je n'ai pas. Ma préférée, c'est... Non, je crois qu'il proposait que ce soit moi qui fasse votre caricature à vous. Ah, mais ça, excellent. Après, si vous peignez... Ouais. Si vous voulez faire des cauchemars, c'est une bonne idée, ouais. Bon, c'est pas trop long, ça va? Non, ça va. Vous savez, je vous ai même pas demandé combien de temps ça allait prendre. Ouais, c'est vrai. Du coup, c'est la surprise.
Attendez, sans bouger, je vais attraper ma gourde. Ah, vous pouvez. Comme chez le coiffeur, je peux rester immobile. Magnifique. Ah non, mais je... En vrai professionnel de la pose. Ah bah carrément. Le problème, j'ai fait ça toute ma vie. Et tout ça devant 160... 172 personnes, ouais. C'est quand même incroyable. Ah bah c'est un Il vous manque la redingote Porto. Oui. La grande redingote. Ou le pull bleu avec l'encre de marin. Ah oui, c'est ça. Il y a déjà pas mal de choses. C'est du jus d'orange. Je crois que Zadmi, tu m'as mis dans le regret, il n'y a plus de skater derrière. Ça va être Barberousse. Oui, pas de soucis, pas de soucis. Le célèbre. Ça va faire un effet un peu sépia. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, vous voyez de quel personnage vient cette casquette? Ah, bah, je pensais au capitaine Haddock. C'est ça, exactement. C'est bien lui. C'est bien lui. C'est d'ailleurs le nom de ma chaîne. Ah d'accord, ok. D'où la casquette. Ah, je suis un gros fan de Tintin. Vous faites des préparations de haddock aussi? Des préparations de poisson? Oui. Ah, j'adore ça, l'aigle fin fumé, j'adore. Ah d'accord. C'est pas non plus une spécialité de la chaîne. Non. J'en ai jamais préparé en direct. D'ailleurs. D'accord. Mais l'alcool frelaté, ça c'est on peut. Oui, c'est une spécialité de la chaîne. Vu qu'Adoc était un peu porté sur la bouteille. Alors ça a commencé comment cette histoire d'internet De stream. Et de stream. Bah, ça a commencé il y a un an et demi pour le plaisir. Pour le plaisir. En cherchant du boulot à côté, parce que j'avais quitté mon ancien travail. Ouais. Et du coup, je cherchais, après avoir déménagé dans une autre ville, à savoir sur Pau, ouais. Du boulot. Et puis en fait, ça a commencé à marcher au bout d'un certain temps. Et du coup, c'est devenu mon travail. D'accord. Du coup, je cherche plus de travail. C'est cool. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Ah ouais, je suis très très content. Premier sujet, c'était quoi? Je faisais de la peinture, mais de figurines. D'accord. Pendant très longtemps. Pendant les 4-5 premiers mois de la chaîne, je faisais essentiellement de la peinture de figurines. D'accord. Après, du jeu vidéo, et après, j'ai commencé à faire des lives un peu plus... Ouais, à parler de cinéma, à diffuser des making-of de films. Ok. Parce que j'ai bossé dans le cinéma pendant quelques années, du coup... D'accord. Quel côté? Accessoiriste décorateur. D'accord.
donc de, à l'arrière de la caméra, mais des choses qui sont placées devant. Ok, ok. Mais c'était sympa, c'est très bonne expérience. Avec des films historiques, des... J'aurais bien aimé faire des films de genre, mais en France, on en fait très peu, donc... c'était surtout des courts-métrages pour des chaînes comme Canal+, d'accord. Ou tournés pour des youtubeurs, ce genre de choses. Ah, ok. À 3, oui, sur la caricature en même c'est possible, mais ça va prendre du temps quand même parce que c'est à peu près 15-20 minutes par personne. Okay. Et c'est 25 euros par personne aussi. Okay. Et après, je peux mettre les 3 sur une grande feuille ou les 3 sur une feuille. Regardez pas, j'ai pas vu. Ouais, faut pas regarder. Ok, merci. Et là, vous pensez avoir terminé dans combien de temps? Et bien là, dans 10 minutes. Ok, super. Merci. On dit essaye la langue des signes. Là. Merci beaucoup. Bonjour. Vous avez besoin d'un renseignement? C'est combien s'il vous plaît ça? C'est 25 euros la personne. Pour la personne. Par portrait ou pour une caricature. C'est par visage. Si on fait pour, trois enfants plus une maman. Eh bien du coup ça fait 25, mais oui, c'est 25 par 4. Moi je veux bien aller acheter un photo. Je sais que je ne vais pas la mettre dans un cadre. Si je l'ai. Sentir un petit ristourne, mais ce ne sera pas beaucoup par rapport à ce que vous attendez sûrement. Okay. Et vous avez de la chance d'avoir un distributeur à côté. Hein. Ah ben, c'est pour ça qu'on installe là. Ouais. Ah ouais. Bon, je plaisante. C'est un hasard. Après, il y a des solutions. Hein. Quand j'étais auto-entrepreneur, j'avais un petit TPE portatif qui marchait avec le téléphone. Ouais. C'est vrai que c'est pratique. Mais j'ai besoin de beaucoup de conseils en technologie. C'est très très simple, hein, vraiment. Ouais. C'est une application à télécharger, vous envoyez vos données bancaires avec le site qui s'occupe du boîtier. D'accord. Et puis après, depuis le téléphone, vous rentrez le montant et ça l'affiche sur le boîtier. Les gens peuvent payer en sans contact, par carte directement. D'accord. Ah ouais, ça marche super bien. Et après, ils prennent une commission de 1,7% à l'entreprise qui... D'accord. Le boîtier, vous l'achetez, vous le payez une trentaine d'euros. Donc, ouais. Non, c'est pas énorme. Hein. Mais c'est vrai que des fois, ça dépanne. Ouais, carrément. Ouais, ouais, ouais. Ça va être compliqué de paquer ça. Donc ça vous tente, hein? Voilà, oui. Ah bah super, super. Oui, vous me faites venir du monde. Et bah voilà. C'est super. Thank you.
Exactement. On dit que j'ai bougé dans le chat. Mais non, j'ai pas bougé. Je suis parfaitement immobile. Vous voulez faire une petite pause? Éventuellement, ouais. Je suis pas allez-y. Dispo. Comme ça, je me détends. Le coup. Allô, allô? Oui, j'ai du monde. Je te rappelle après. Allô, tu m'entends? Allô? Allô, tu m'entends? Eh ben non. Allô, allô? Ça marche pas. Juste pour montrer les figurines qui ont été prises. Ah oui. Allô? Et du coup, Zadmi, je vais repeindre la casquette pour faire la même avec l'encre. Là, tu m'entends, mais je suis avec vous. C'est pareil pour le pull. Je vais mettre l'encre dessus. Oui, je te rappelle après, bisous. Ciao. Voilà, je n'ai pas bougé. Vous n'avez rien vu. Moi, j'ai fait, je veux absolument. Explique-moi, qu'est-ce qui t'attire? Alors, je t'explique du coup. Alors, en fait, ça, c'est le goût de ce que je veux. C'est bon, vous dînez là, après. C'est comme ça. Et vous êtes originaire de quelle région alors? À la base, je suis bourguignon. Hein. Je viens de Lyon comme département spécifiquement, mais j'ai beaucoup vécu à Dijon. Et donc, en fait, vous êtes toujours sur la route? Non, du coup, j'habite sur Pau, donc je suis pas très très loin. Je suis à 2 heures de voiture maintenant. Ouais. Je suis un expatrié dans le sud-ouest. Mais c'est vrai qu'avec les blogs, les lives, je me filme comme ça dans les villes, je bouge un petit peu partout. Ouais, ça vous fait voyager, ouais. Dans pas longtemps, je vais faire une semaine de stream comme ça non-stop, mais La Rochelle, Rennes, Dinan, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel. Le grand Nord-Ouest. Okay. Ça va être sympa. T'as fait à l'étranger aussi de temps en temps? Là, j'y pars, mais en vacances. Là. Ah oui, en vacances. Ouais. Moi, j'essaierai peut-être sur une des journées de la semaine de faire peut-être un blog, ça peut être sympa. Ouais. Bretagne ou Normandie, le Mont-Saint-Michel? Ah. Alors. Avec la pipe qui va bien. C'est le raton.
Ah, ça y est, c'est le reveal. Donc je peux bouger là. Attention, c'est bon, vous pouvez. Oh là là, incroyable. Incroyable. Alors attendez, faut que je montre ça. Oh là là, magnifique. Oh là là. Incroyable. C'est cool. Ça, les gens ont l'air de trouver. Mais non, excellent, incroyable. Trop classe. Les gens le trouvent très cool. Ouais, ouais. Superbe. Merci bien. Ah, magnifique. Eh ben voilà, je vais vous donner une petite enveloppe. Oui, que je puisse le protéger dans le sac au maximum. Attendez, je vais montrer votre carte quand même à la caméra. Ah ben c'est super. C'est Alain Barat. 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 Alain Barat. Il y a quelqu'un dans le chat qui me demande jusqu'à quand vous êtes là. 18h. Jusqu'à 18h, Arline. Je sais pas si t'as prévu d'aller en ville. C'est une amie bordelaise. Bah, enchanté, je serais ravi de travailler. Je suis là tous les premiers dimanches du mois. Ok. Voilà, comme ça, ils ont l'info. Voilà. Super. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Hein. Je vais vous régler. Vous avez été fantastique. C'est vrai, j'étais un bon modèle. Un bon marin. C'est vrai, un bon marin. Un bon marin qui tient bien le cap. Alors, est-ce que vous avez un billet de 5? Je crois pas. Ah mince, sinon je vais peut-être dans un truc. Oui. Les demoiselles ont peut-être un billet de 5. Je sais pas si vous avez. Ouais, si elles en ont deux du coup. J'en avais un tout à l'heure. Ah mince. Et il est parti. Vous n'auriez pas de billet de 5 par hasard? Désolé. Comme ça je vous donne un billet de 10. Sinon je vais trouver un commerce sur de la monnaie et puis je reviendrai après, c'est pas grave. Je pense pas du Non, mais c'est pas grave, je vais passer dans un commerce. Je vous laisse le portrait pour l'instant, je reviens juste après. À tout de suite, hein, je vous fais confiance. Ah bah oui, non, bien sûr. De toute façon, il y a 177 témoins, j'ai envie de vous dire, je serais vraiment... C'est clair. Je serais pas très discret, là, si... Hop. Je reviens dans un instant, je me dépêche. Hein. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Et il ne revint jamais. Paye-lui une bière. Nous t'avons à l'œil, capitaine. Voilà, exactement. J'ai demandé au bar là, où j'ai demandé le distributeur tout à l'heure. J'espère juste qu'il va pas s'abîmer dans le sac. Hein. Oui, il est cool. Hein. Non, il est vraiment très cool. Non, je regrette pas. Et le monsieur est très sympa. J'espère que vous avez clippé le reveal. Ah, attendez, je vais tout de suite attraper. Je vais poser ma cam pour attraper le billet. Hop, là-bas. Que ça aille vite. Et du coup, merci pour le follow. Je crois que c'est Banana. J'ai pas bien vu le pseudo, mais c'est le moment où j'étais en train de filmer le portrait. Ah, mais du coup, vous avez validé la prédiction? Ça va, Zadmi, pas trop dégoûté. Ah, 13 000, t'as gagné. Ah oui. Donc il y avait donc quelques points. Et là, ça s'envole. J'ai la thune dans ma main, dans ma poche. Alors allons demander gentiment si on peut nous faire de la monnaie. Oh, bonjour, vous travaillez ici? Est-ce que à tout hasard vous auriez deux billets de 5 sur un billet de 10? Moi j'ai pas de monnaie, j'ai envie de débuter. Ah mince, je sais pas si vos collègues ils pourraient me faire ça. Ah super. Très gentil à vous.
super. Oh, pardon. Merci beaucoup, c'est très gentil de même. Au revoir. Et ben voilà, super. J'ai la monnaie. Salut Ghost, ça va et toi? J'ai les 25 euros dans la mimine. Et là j'arrive et il y a un mec en skate qui se casse la gueule. T'imagines l'enfer. Prévoir beaucoup de monnaie. Bah en fait, dis-toi, j'avais prévu de tirer de l'argent. Et j'ai oublié. Et le pire, c'est qu'une de mes deux covoitureuses hier est arrivée en retard, donc j'avais en fait largement le temps, quoi. Donc je suis un peu dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, on s'arrange. Alors, je suis à côté. Et ben voilà. Hop, je me permets. Un ami disait après le capitaine, les sirènes. Attendez, je pose ça ici. Tac. Je sais pas où je peux vous poser le. Ah, pardon. Ah, bah non, c'est moi. Non, mais vous inquiétez pas. Du coup, j'ai réussi à. Bien qu'il les soit bien dedans. Ça marche. Ça. Et ben, c'est gentil à vous. Bah non, c'est gentil à vous, merci. Ben, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. De même. Et encore plus d'abonnés. C'est très gentil. Et vous passez hop, voilà. À tous vos abonnés. C'est gentil. Hop, je leur remontre le. Voilà. Superbe. Alors je vais essayer de le mettre à l'abri dans une poche. C'était obligé. Comment ? La pipe, c'était obligé. Ah bah oui, bah j'ai demandé, hein, parce que le classique. Et encore, j'avais pas le pull bleu avec l'encre dessus. Mais... Alors on va essayer de le protéger au maximum. Vous faites des lives sur quoi ? Sur Twitch. Ah ok. Ouais. Et vous allez peut-être avoir 3 nouveaux abonnés. Et oui. Bah oui. Parce que vous regardez un petit peu Twitch ? Pas trop. Ouais. Vous regardez plutôt quoi ? TikTok ou YouTube. YouTube, ouais. Mais on suit quand même un peu les rediffusions ou des trucs comme ça. Ouais. J'espère qu'il va pas s'abîmer, ça devrait le faire. Non, c'est bon. Je vais manipuler mon sac avec grand soin. Ah, oui. Allez, je vous souhaite une bonne journée encore, merci. Merci à vous pour votre bonne humeur. C'est gentil de même. De même. Ouais, c'était cool. Mesdames, bon portrait. Merci. Allez, bonne journée à tous. Au revoir. À mettre dans un salon. Ah, il y a eu un clip. Cool. Bon, alors attendez, on va aller vers les quais. Salut la rouquine. Et salut raton du lundi. Hop. J'ai remis le sac. C'est bon. Alors, on est à côté des quais. Je reviens faire un coucou pile le reveal de. Ah, t'as vu? Tu l'as vu? Ah là là. Et c'est incroyable. En plus, le mec était vraiment très gentil, très sympathique. Bon, le fauteuil aurait pu être un peu plus confort, mais. J'ai mal au fiac. Mais ça va. Bonjour maman, est-ce que t'as vu le portrait? Je sais pas si elle l'a vu. J'ose pas trop le sortir parce que j'ai peur de l'abîmer. Je vous le prendrai en photo. Non, tu l'as pas vu? Ah oh, putain, attends, faut que je te le montre. Attends. Attends, non, mais je vais le montrer. Oh putain, le banc casse-gueule. Attendez. De stabiliser la caméra et c'est pas facile vu la gueule du banc. Ok, ouais, t'aimes bien Zadmi? Non, puis c'était un échange agréable parce que le monsieur était hyper gentil. Alors attention, accrochez-vous à your slibar. Voilà. Ouais, il est cool. Hein. J'ai l'impression d'avoir un cou hyper musclé.
Mais je vous le prendrai en photo, je vous le prendrai en photo, ça sera plus simple. Voilà, je le mets à l'abri, plus important. Et du coup, ouais, c'est vrai que je vous ai montré furtivement, mais ouais, j'ai pris du coup trois figurines Lego. Une avec une espèce de casquette de policier que je pourrais repeindre comme la casquette. Oui, oui, il est signé, ouais. Un pirate avec un poisson dans les mains et un avec un espèce de ciré, un sabre. Donc en vrai, je pourrais les custom un peu avec de la peinture. Hein. Faire un vrai ad hoc. Et du coup, je vous les ferai gagner qui viennent du Lego Store de Bordeaux. Et merci à Mambo, hein. Mambo qui a fait un don pour que je puisse les prendre. C'est adorable. Alors, tombé par hasard sur le pain. Ah ouais, en marchant, il m'a regardé, il était souriant en mode ah bonjour, dis donc, incroyable. Alors, je remets le sac. Voilà, nickel. Et on va aller sur les quais. Attendez. Ah. À manipuler avec délicatesse. Ok. Combien j'ai de pourcent de batterie ? Important ça. 41%. On va se poser dans un bar, hein. On va recharger un peu la batterie. Je sors du manga Baki, j'ai pas la ref mais. Après j'ai un coup musclé dans la vraie vie. Hein. Non ? Ou un coup gras. Ouais, petite bière. Hein. Petite bière. Hein. Non. Ah. Ah j'ai pas de coup gras ? Ah, c'est gentil. Oui, je rentre ce soir, ouais. Voilà, je sais pas quelle heure il est, ça fait déjà 2h13 qu'on est en stream. Il est 16h15. À 18h grand max, il faudrait que j'ai arrêté. Attends, non, il est 17h15, 17h10. Il faudrait que vous ayez 18h et quelques, voilà. Faut pas que je tarde trop non plus, parce que j'ai de la route. Salut Kensington. Tristesse. De quoi tristesse ? Je suis obligé de repartir. Ah merde! Des bisous d'Angster. Faut pas que j'oublie qu'en repartant, faut que je passe dans un toc cuivré pour prendre des cannelés. Est-ce que, à tout hasard, je passerai pas chez vous, maman, demain, là, pour vous amener des cannelés? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous êtes chez vous? Parce que je vais avoir une grosse semaine chargée de stream là. Donc je pourrais pas trop passer ce week-end, le week-end prochain. Si si, il reste des cannelés d'Arline, mais ça sera pour madame et moi. Oui? Ok. On va peut-être faire ça alors. Je te redirai par message. Pas tes parents. T'inquiète, je crois qu'ils étaient bien occupés ce week-end. Et après on part en Bretagne, vous partez quel jour ? Attends, mais on est où là ? Ah oui, ok. Je pensais que c'était ça. Je sais pas si je peux trouver un bar sur... Ouais, ça va être loin. Ça va être loin sur les quais, ça. Traverser là-bas. À vendredi, oui, bah ça va. Pas du tout, failli me faire écraser par un tram.
Ouais, c'est dommage que j'avais pas de téléphone hein, dans ces cas-là. Parce que là, j'aurais pu lui montrer les peintures que j'avais fait. Je pense que le mec aurait éclaté de rire littéralement. J'avais aussi fait un dessin à Paris avec ma femme, mais pas aussi bien. Et c'était aussi, enfin aussi cher. C'était le même prix ou... Là, c'était 25 balles quand même. Après, ça a duré 20-25 minutes. C'est quoi les GG? Pourquoi des GG? Quoi, 1500 bits? Et, attends, c'est qui a donné 1500 bits? Merci Bigou, c'est adorable. Oh là là. Incroyable, merci, c'est adorable. Je me disais, je comprenais pas ce que je voyais dans le chat. C'est ça, je peux bigler. Mais qui comprend pas ce qui se passe dans le chat. Ouais, on va aller sur les quais. Oula, par contre, ça souffle le vent là. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Ok, let's go. Donc là, je suis en train de m'approcher des quais. Je vais passer en caméra de face, là, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je voulais pas le grand angle parce que du coup, c'est les grands angles qui bug à chaque fois, là, en termes d'affichage. La Garonne. On aperçoit le pont Chaban d'Elmas au fond. Où est du monde, hein? Oh putain, il y a du monde. Oh, morte couille. Joli paysage, ouais, c'est sympa. Hein. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il fait pas trop chaud, il fait pas froid. Bon, j'aurais pas le temps de passer à Péverlan. Hein. J'aurais pas le temps du tout. Sauf qu'après, il faut que je revienne à Victor Hugo. Donc comme nous le montrait hier Carotte, la cité du vin là, le pont Chaban d'Elmas qui se lève pour laisser passer les bateaux. C'est juste parce que j'aime bien Jean du Jardin. Oh putain. Oh merde. Et ouais là je... La cité du vin, moelleux, non. Non, je pensais, bah, il y en a peut-être un peu, hein, mais pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Hein. Très honnêtement. Ah, j'aurais eu plus de temps, j'aurais pris le bateau aussi. On n'a pas fait de vélo. Petit coup de bateau avec le ticket que j'ai qui est valable 24 heures. Après, la vue l'heure, je sais pas s'il est encore valable. Je pense pas. La prochaine fois, je m'organiserai mieux. T'as le ciel est magnifique. Et là, on le voit bien, le pont Chaban d'Elmas. Donc là, c'est rive... Le truc avec les deux tours blanches. C'est le pont Chaban d'Elmas, Guambou, là. Donc c'est un pont qui se soulève. Tu vois, au niveau des deux tours, hein, t'as le pilier central qui se lève pour laisser passer les grands bateaux. Regarde, regarde, regarde. Elle va te prendre par tes pieds.
Ah, j'ai entendu, mets-toi près de ta soeur, elle va te prendre par derrière là. Ah. Ah. Ah bon. Je savais pas que c'était autant au nord, Bordeaux. Ah. Une drôle d'habitude, les Bordelais. Les affaires de famille, voilà. Cela ne nous regarde pas, bien sûr. Oh, ça joue au multi. Ça joue au multi. Nul. NULCHIER. Qu'est-ce que j'ai dit, Gambou? Oula, ça sent la... Oula, ça sent la houle, hein. Oula. Ouh. Ça sent la houle. Ou un touriste qui se néglige. It's made light in spirit. Elle est toujours marron, ouais. Chaque fois que je suis venu, c'était marron. En même temps, il y a du débit. Bon, pas là-dedans que tu vas te baigner, quoi. Donc, Sterk expliquait hier qu'avant, il n'y avait pas de rambarde. Ta braguette est ouverte? Non, elle est toute verte. Oula, où ça pue? Où ça pue? Au secours. Les grosses bites de marrage. Putain, sur les bites de marrage, il y a du raisin et un terre-bouchon dessiné, quoi. Putain, on est bien à Bordeaux, hein. C'est quoi ce vélo? What the fuck? What the fuck? C'est un vélo Lego? Ah putain, ça fait loin les bars. Hein. Ça, après, il faut que je revienne. Ça fait vraiment très loin. Là, il y a de la musique, c'est mort. Vélo transformeur. Bateau restaurant. Putain, sa mère, c'est loin. Il y a des bars sur la route, mais j'arrive pas à voir si c'est des bars ou des restos. Où? Bah, je me suis dit, ça peut être sympa de boire un coup là, quoi. Vivement la téléportation, ah, clairement. Ouais, ça fait loin là. La dernière fois j'avais pris en supermarché, mais la fois d'avant vous aviez eu des crêpes fraîches. Après ça me fait marcher, c'est bien. Hein.
quelle crêpe? Il n'y a pas eu de crêpe, hein? Qui parle de crêpe ici, là? Personne n'a parlé de crêpe. Arrêtez de parler de crêpe. Bien ou pas? Bien. Salidou? Non, c'est pas moi. Non, non, moi c'est Capitaine Haddock, pas Salidou. Petit lambigue? J'avoue. Putain, c'est loin. À l'arrivée, tu pourras même te prendre un apéro dînatoire, j'avoue. À l'arrivée, il fera nuit. Oh putain, il a l'air d'y avoir un monde pas possible. Ouais, si j'arrive à me poser pour une bière, hein, parce que putain. Il y a vraiment l'air d'y avoir énormément de monde. Après, je vais pas faire demi-tour maintenant, on y est presque. Salut Fasteco. Putain, la roulette. Et donc Star il est pas là, au pire je m'assois sur ses genoux, enfin travelling. Mais non. Ou Carotte fait le taxi. Ben, c'est très joli Bordeaux. C'est une très belle ville. Puis on aura fait deux vlogs très sympas. En plus hier c'était génial de rencontrer Arline, Carotte et donc Star en vrai. C'est une très belle ville, mais j'aimerais pas y habiter. C'est trop grand. Beaucoup trop grand pour moi. Ça doit coûter très cher en plus d'habiter à Bordeaux même dans le centre là. Oula, oula. Oh le bruit. Oh la SMR pot d'échappement. Le vlog à Grenoble, je peux te faire découvrir la plaque tournante. Je sais pas quand, mais de toute façon, on va se faire toute la France, hein, mais ça prend du temps. Le ciel, c'est le papier peint dans Toy Story, j'avoue. Alors on y est presque. Faut juste trouver une place. Flamby? Oui. Ça c'est une ancienne, enfin c'est une salle d'art. Je fais des expositions d'art ici. Je sais plus comment ça s'appelle. Si on pouvait croiser ce bon vieux Alain Juppé, il nous paierait une chocolatine à 5 centimes. Ah bah non, il est plus maire de Bordeaux.
sais plus qui c'est toi Arline ou Dankster qui me disait que maintenant c'était c'était un maire écolo. Toujours pas en prison d'être retraité. Bon, bah t'inquiète, il fera jamais de prison. On n'a pas de sapin de Noël. Ah oui, parce que c'est pas très écolo. Sinon, faut en faire un artificiel. Hein. Ça se fait, ça. Avec des artisans locaux, là, en bois, en métal. Qui est du coup réutilisable. C'est pareil, Juppé, Copé. C'est pareil, c'est les mêmes dinosaures. Il y en a un qui est un peu plus jeune que l'autre, mais bon. Ce plugin là. Ça y est, libération. J'aimerais bien faire un blog à Strasbourg, ouais. C'est joli. Très joli Strasbourg. Une place dans un bar pour une petite bière. Et ben je pense qu'on est pas mal là. Je sais pas si ça sert de la bière. Je vais regarder. Bonjour. Bon, ouais, ils servent de la bière pression. Bonjour. Ah, au comptoir, ok. Bah attendez, je vais y aller tout de suite parce qu'avec le matos, il faut le laisser sans surveillance. Oui, vous avez. Bonjour. Bonjour. Je dis, en fait, on ne peut pas filmer comme ça. Je me filme moi uniquement. Ah d'accord, parce que normalement. Ah, je filme pas l'établissement. On a une communication qui est très encadrée. D'accord, très bien. Il faut demander une autorisation. Ah, c'est la première fois qu'on me dit ça mais dans un bar. Eh ben, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez, je peux vous donner le contact de la. Bah non, mais là, je suis juste là pour boire une bière. Après, je m'en vais, j'ai pas le temps de demander une autorisation. D'accord, mais juste voilà, au niveau de l'intérieur. Non, non, moi, je vais juste me poser en terrasse si c'est bon. D'accord, parce que voilà, normalement, c'est vraiment très encadré. Après, là, je me cadre vraiment moi. C'est juste le temps de passer commande. Il y a quand même l'environnement.
demander une autorisation. D'accord, c'est original pour un bar. Mais non, c'est parce qu'on n'est pas un bar, monsieur, on emploie des porteurs de handicap. Donc on d'accord. Peut pas, en fait, c'est compliqué pour eux. Non, mais je comprends, ouais. Et en fait, leur droit à l'image, c'est pas forcément quelque chose qu'ils intègrent. Bien sûr, par doute, on interdit tout. Ça marche. Mais du coup, je peux quand même passer commande Oui, oui, oui. Parce que là, je suis en live, je ne peux pas couper. Hein. C'est... Vous me dites, sinon je sors. Je préfère du coup. Ça marche. Okay. Désolé. Très bien, pas de soucis. Non, mais je comprends, il n'y a pas de mal. Passez une bonne journée. What the fuck. Alors, c'est bien la première fois dans un bar qu'on me dit que j'ai pas le droit de filmer. Hein. Vraiment. Bah, ils passent pour des cons aux yeux de 180 personnes, quoi. Je comprends, bah non mais je dis je comprends, mais parce que j'ai pas envie de chercher le conflit, j'ai pas que ça à foutre de chercher le conflit avec eux. Les mecs sont cons. Hein. Putain de merde. Il y a plein de cons sur les quais. Ah bah, effectivement, ouais, c'est quand même original de la part d'un bar alors que je vais juste commander en terrasse pour boire une bière. Les mecs sont pas cons, les mecs sont juste débiles. Hein. Et merci, merci Maïk pour le sub offert à Monsieur Souris, c'est adorable. Putain. Ah bah je comprends pourquoi il n'y avait personne dans le truc. Clairement débile, hein. Non mais c'est n'importe quoi. Et surtout qu'ils passent vraiment pour des couillons quoi. Bon là c'est un McDo. T'as l'eau elle est vraiment dégueulasse. Alors, moi tout ce que j'ai besoin c'est une place à l'ombre, avec si possible un minimum de vue. Ça. Ça c'est le McDo. On va se mettre là. Ça, par contre je vois rien du tout sur l'écran. Mais même leur explication j'ai pas compris là. J'ai pas compris du tout quoi. Ils parlent d'handicapé, mais quoi? Mais du coup... On peut filmer quelqu'un qui est pas handicapé, et filmer un handicapé, c'est pas possible. What the fuck, là. What the fuck. Salut Chaka, comment vas-tu? Ah, j'étais pas à me redire hein, si je loupe des messages, que là j'ai le soleil en plein dans la gueule, en plein sur l'écran. Du coup, je vois rien du tout. Bon, là, il y a de la musique, c'est marrant. Il y a de la musique et pas d'ombre. Attends, du coup quoi? Il a peur qu'on se moque des handicapés. Je comprends qu'ils prennent des mesures pour les rouler. Non mais enfin quand même, c'est ridicule. Putain, tu comprends que les gens se font la guerre, les gens se détestent parce que voilà, on est tous dans une espèce de suspicion de merde. C'est vraiment débile hein, de dire ça. C'est con quoi, c'est con. Ils passent juste pour des cons, c'est tout ce qui se passe quoi. Alors là, il y a une place au soleil. Mais ça va très bien. Ça va très bien, chacun, merci. T'as dit quoi? T'as passé une bonne soirée? Ah ouais, c'était super cool. Très 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 cool. Là, il y a de la musique à fond les ballons. Il a raté de la pub et puis il passe pour un con, voilà tout ce qui se passe. Après bon, de la pub, on s'en fout. Hein. Avec moi. Si, 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 mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, les amis. Pas de place ou une place en plein soleil, donc non, c'est mort.
Là, c'est un Starbucks, donc c'est non, c'est mort. Ah ouais, mais pour aller plus vite, on va d'accord. En tout cas, le mec, il a sué du cul hein, quand je lui ai fait comprendre que j'étais en stream. Hein. Il a changé de tête direct en mode Ah bon. Putain, mais là, c'est au soleil. Mais forcément, toutes les places à l'ombre sont prises. Bah, et puis, il n'y a plus de bar. Super. Génial. Génial, j'ai marché 1,5 km, 2 km pour rien du tout. Génial. J'adore, attendez, je me mets à l'ombre pour vous lire. Là. Ah, il y a un bar là, mais putain, c'est une pizzeria. C'est une pizzeria de merde. Oh mon dieu. Non, attendez. Ah non, moi je trouve ça débile comme réaction. Je trouve ça débile, je vous le dis. Hein. Sortir la carte de répression des fraudes. C'est ça, en plus je filmais pas du tout l'établissement, donc c'est vraiment complètement con. C'est surtout ça qui est débile en fait. Non, je dis pas que c'est des cons, je dis que la réaction est débile. La réaction est débile. Oui, mais putain, mais à ce compte-là, du coup, on fait plus rien. C'est ça le problème, Marlock, c'est que là, on est dans une société, dans une putain de saucisse qui pue du cul. Parce que justement, tout le monde est en mode « Ah, mais oui, mais il est méchant, et machin, on sait pas. » Eh ben putain, les choses risquent pas d'avancer si tout le monde pense ça, quoi. C'est ça le souci, c'est ce que je dis, hein, c'est que... Être sur la défensive comme ça, ça prouve que vraiment, il y a un gros problème, hein. C'est pas compliqué quand quelqu'un te dit je veux juste prendre une bière et la boire en terrasse en me filmant moi. Non. Surtout que vraiment son explication, je n'ai rien compris, ça n'avait aucun rapport, aucune logique. Oui, bon ça, on est d'accord, Wam, mais bon ça, en soi, je m'en fous. Je prends la caméra, j'y vais, je me filme moi, c'est pas un problème. Tu l'as intimidé ? Oh, bah oui, bien sûr. Le mec pensait que je le filmais lui, il faisait des grands coucous. Et non. Oui, c'est ça, surtout pour me dire venez prendre la commande à l'intérieur, pour me dire faut pas filmer l'intérieur. Non, mais what the fuck, quoi. Ah non, c'était le patron là. C'était le patron. Ah, oh, c'était clairement le patron. Ah ouais. C'est juste que le mec voulait que je contacte le responsable com. Enfin, mais... Je vais pas faire une demande qui va mettre une semaine à être répondue pour boire une bière. Complètement débile. Le formulaire à 38 quoi. Voilà, on en est là, vous voyez. Tu vois, ce qui pose souci, c'est que le mec m'aurait demandé ce que je faisais. Bah, il aurait compris que je faisais pas n'importe quoi quoi. Enfin, je sais pas, il y a un moment, tu poses la question à la personne avant de lui dire « Oh, faut contacter le responsable com, faut faire une demande officielle. » Ça, c'est quand tu tournes un putain de film et que tu demandes à tourner dans une mairie, une municipalité, et que tu dois poser un trépied par terre.
C'est de la faute à TikTok. Ah non, mais on est totalement d'accord, Zenmi, ça n'a aucun sens de refuser un client avec une caméra dans un bar. Politique de com très cadrée, c'est probablement un franchisé qui tient à sa licence. Oui, non, mais encore une fois, quand je me filme en gros plan comme ça, qu'est-ce que... Surtout que ça va être des mecs qui n'y connaissent rien du tout à Twitch, là. Qu'est-ce que tu veux que ça change à leur vie, hein. Mais bref, on va pas parler pendant des heures. Tout ce que je dis, c'est que c'est une réaction de con. C'est débile. C'est tout sauf humain comme truc. Et c'est bien triste. C'est bien dommage. Parce que ça renvoie une image de con. Voilà. Patrick Kouakou Badois se barre. Exactement, voilà. Exactement, tout à fait. Il avait les crampetés. Ah oui, il avait les crampetés. Et donc, tu n'as pas eu ta bière? Eh ben non. Et puis, il n'y a aucun putain de bar avec de la place. Et j'ai marché 2 km pour rien. À Paris, il y a énormément d'établissements comme ça qui refusent des caméras. Ah bah ils vont être bien ceux-là. Oh putain. Oh ils vont être bien sûr en septembre. La danse du Kouakoubé. J'aurais dû lui dire qu'il avait les crampetés, ouais, clairement. N'importe quoi. Tout ça s'appelle joyeux service du cœur. Hein. Je suis en train de passer devant là. Joyeux, service du cœur. Café joyeux. Super. Génial. Elle est belle la joie de vivre. Alors est-ce qu'ici ils servent de la bière? C'est pas du tout. Je pense qu'il faut commander là, mais je pense pas qu'ils aient de... Attendez, je regarde. Le cappuccino. Bonjour. Est-ce que vous servez de la bière? C'est haut, en pression. Ah, ok. Il y a un deuxième bar en rooftop. Ça marche, super, merci beaucoup. C'est marrant, c'est une boutique de planche à voile. Sur le rooftop. Hein. Oui? Ah oui? En fait. Donc, il y a une table au fond. Ouais. Bonjour. Vous avez quoi comme bière blonde en passion? C'est pas déjà. C'est de la effet papillon. Effet papillon? Ouais. Je connais pas du tout. Local. Et bah, je vais prendre ça si c'est possible. En pinte, vous avez du sirop pour mettre dedans? On a du sirop. Ouais, très bien, très bien. Ouais, pas de soucis.
Oui, non, je connais pas. Je connais pas. Très très bonne, j'en ai pris sur Toulouse en Too Good To Go. Ok. Ouais, sirop bière, ouais. Vous pouvez me juger, ouais. Et je vous banne tous. Et au moins, ils s'en battent les couilles de la caméra. Mais s'il vous plaît, ouais. Vous avez oublié le sirop, bon c'est pas grave. C'est pas grave. Non, vous embêtez pas, la jetez pas. On a dit. Ouais, non, mais après. Bon. Non, c'est pas grave. Merci beaucoup. Hop. Pardon. Ça va être galère. Oh, le soleil incoming. Ah putain, oui. Attendez, je vais mettre ça là. Oh putain, attendez, faut que je décale la table. Putain, je vois très très mal l'écran. Roll le bide, bah sympa. Putain, mais Oh, il se fait bien. 6,50€ la bière. La pinte. On rappelle qu'à Biarritz, j'avais payé ça pour un demi. Donc ça va. Vente un sirop ou la joubane tous, hein. Joubane tous. Il y aurait un modo dans le chat, je pense que vous auriez déjà pris un théo là. Putain. Putain, par contre, il fait une chaleur. €9 à Paris la pinte ou le demi. Pas payer le supplément sirop. La pinte, 8-9€ Paris, ça va encore. Ah non, une pinte c'est un demi. Ah non, une pinte c'est un demi, c'est pas une 33. J'emmène qui tout le monde. Non, il faut pas payer le supplément sirop. Attendez, j'essaie de vous filmer la vue quand même. Voilà, un demi, c'est un demi. Enfin, tu demandes un demi, t'as un 25, ça c'est complètement con, mais... Salut Arline.
Non, 6,50€, 6,50€. Après, tu me diras 6,50€, 6,70€, c'est pareil. Hein. C'est dommage que j'ai le soleil qui me cache la vue sur l'écran là. Pas grand chose. La vue est cool, ouais. Par contre, je suis loin du centre. Hein. Quand je vais repartir tout à l'heure, je pense que je vais prendre une trottinette. Hein. Francs la croix dans la barre du 8ème. Oui, je crois que tu m'avais déjà raconté cette anecdote, Marloc. Ouais. Justement, c'était dit, mais attends, 80 francs en euros. Hein. Ouais, par contre, le gobelet en plastique, mais tu sens que c'est un bar provisoire, hein, c'est pas un truc. Du coup, on peut le garder Je crois pas, non. Même le personnel est provisoire, mais ils y connaissaient rien. La meuf, je lui dis, vous avez quoi comme blonde? Elle me dit, attendez, je sais plus, je regarde. Je lui demande une pinte de sirop, elle me sert la pinte, je lui dis, vous avez pas oublié le sirop? Elle me dit, bah si. Du coup, je lui dis, non, mais laisse tomber, je vais la prendre sans le sirop, c'est pas grave. Je lui dis, non, et là, elle la jette. Elle la verse dans l'évier. Ah. Non, mais après pour Bordeaux, 6,50€ la pinte, ça va. En vrai, ça va. Enfin, par contre, j'ai chaud. Hein. Du coup, je sais pas s'il y a des gens sur Bordeaux, si vous savez, j'ai vu des mecs passer en trottinette bleue. On peut en louer, non? Je crois des trottinettes bleues comme ça. T'as la musique, par contre. Super. Comment on peut mettre du sirop dans une bière? Eh ben c'est simple, tu prends ta bière, tu mets du sirop, tu verses ta bière après. Ça c'est pas compliqué. Ah bah la musique, ouais là je suis désolé, hein, mais c'est de la merde. Hein. C'est de la merde la musique. Hein. Quelle ambiance. Mais la vue est cool. On va devoir terminer ce stream sur cette musique des enfers. Combien il me reste de batterie là? 21%, ouais. La DSP caramel. C'est ce que t'as bu hier, Marloc? T'en as bu deux alors hier? Deux? Ouais, trois, t'en as bu trois. Deux packs de DSP? Oh putain. C'est pas très fort la DSP. Hein. Je pense que DSP caramel, ça doit choquer plus de gens qu'une bière sirop. Hein. T'aimes pas la DSP? T'as dit que t'aimais bien la DSP caramel. What the fuck? Vous vous contredisez, monsieur Marloc. DSP caramel, tu peux te la garder. Hein. Avec trois bouteilles de tequila en plus, ouais. Ah voilà. Ouais, la pisse aussi avec du sirop de caramel, ça passe, non? Oh, j'ai chaud. Mazout, Coca Ricard. Oh, non. Il y a une place en enfer pour ça. Avec le patron du bar d'à côté. Ah, ça fait du bien quand ta musique s'arrête. Mmh.
Elle est bonne la bière, ouais. Ouais. Par contre, elle est pas forte, hein, je pense. Je pense qu'elle est très douce. Un Gérard. Putain, la zic. Oh, le petit oiseau. Viens, petit oiseau. Attendez. Viens, petit oiseau, viens. Viens voir le capitaine. Viens voir le capitaine. Ah merde. Oh le kiki. J'ai essayé. Hein. Bon messieurs dames, j'avais dit 3 heures de stream. Hein. 3h05. Je pense que je vais rendre l'antenne. Faut encore que je retourne à l'autre bout. Très très loin. Très très loin par là-bas. Là. Que j'aille chercher ma voiture. 2 heures de voiture. 2h30 en sortant de Bordeaux. Je me prends pour une princesse Disney, ouais. Mais je chante pareil. Je chante pareil. Du coup, est-ce que Pepper vous a mis, vous êtes dans le coin pour lancer un petit raid? Je pense que je vais me louer une trottinette pour rentrer à la voiture. J'ai pas le courage. Ouais, vas-y, Gozer, nickel. Tu me dis quand c'est lancé. Comme ça, je vous dis au revoir. Et puis. En tout cas, la semaine qui arrive, ça va être une énorme semaine de stream. Hein. À partir de mardi, d'ailleurs, Baldur's Gate, hein, avec Zadmi, Amaury, Lexi et moi-même. Pas de live ce soir. Non, mais déjà, le dimanche, d'habitude, je ne stream jamais. Hein. Donc, c'était exceptionnel là, aujourd'hui. Hein. Non, pas une trottinette, respecte-toi. C'est lancé. Merci d'avoir été présent. J'espère que vous avez apprécié le stream d'hier et le stream d'aujourd'hui. C'était très cool. Passez une bonne fin de journée. Alors, je sais pas ce qu'il fait Gozer, peut-être du Fallout ou je sais pas. Bref, passez-lui le bonjour. Si vous n'êtes pas follow à sa chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit follow. On se retrouve mardi. Il y aura du stream mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Grosse semaine de stream en perspective avec beaucoup de choses. Ça marche, Zadmi. Et du coup, voilà. Baldur's Gate mardi. Après, pour le reste, on fait le planning avec Zadmi dès demain. On essaie de vous le proposer rapidement. Ouais t'inquiète, je fais attention sur la route. De toute façon je serai sur le Discord je pense avec le kit main libre. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si quelqu'un peut lancer un petit pot d'exclamation sur Discord d'ailleurs. Et que vous dire de plus? Des bisous à tous. Merci de votre présence. Profitez de la vue. Et ok pour partir. Allez, ok pour partir. Thank you.